lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pom pom pom. Ghostly figures they can get so bitter. Show you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too stuck, get out. A haunted, haunted house. Broken windows and a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. You're blue, you too. Could you love me at my worst? Till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too sick, get out. A haunted, haunted house. I'm a haunted house. Could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. You're a haunted, haunted house. You're just taking sides. A haunted, haunted house. I'm a haunted house. Use my words till the coffin's in the dirt. Anyone can love a pretty little mansion. Listen.
stars out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Oh, si je me faisais un frigo. Oh, il y a même Alan. Bonjour, Alan. Oui, bonjour. Ah là là, quelle belle intro de live. Ce mec est un professionnel. Je trouve ça génial. Ouais, j'ai incroyable. Fait ça toute ma vie. Ouais. Incroyable du cul. Bonjour, Draconi. Bonjour. Appelez-moi père fondateur. Quoi? Je sais pas. Bonjour, Monody. Appelez-moi papa. Allô? Voilà, je sais pas. Bonjour, Neru. Salut, Alex. Eh, bonne mort. Non, je rigole. Salut Wawa. Oui, bonsoir. Je sais pas pourquoi. J'ai pas la ref. Moi, non, non. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes sur Rust. C'est un jeu rouillé. Oh, une gourde, chouette. Nickel. J'espère que vous allez bien. Nous sommes quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Merci. Oh, on a deux bateaux. Ça y est, c'est la décadence. C'est le mien. Il est beau, hein? Ah, il est beau, chef, votre bateau. Il y a un barbecue et un canapé derrière, si tu veux te poser. Je sais pas pourquoi faut que je te demande ça, quoi. Pourquoi il y a un barbecue? J'ai envie de canner. Pourquoi t'as envie de canner? Parce qu'en fait, quand tu stacks les bouteilles d'eau pleine, quand tu les vides, il les vide pas toutes, mais il compte que toutes sont vides. Faut que je retourne à la rivière. Ah oui, faut bah voilà. Il est où mon jerrycan d'eau salée? Il va falloir qu'on ait un autre système que ça. Mais bon, on a découvert l'électricité, mesdames et messieurs, hier, si vous nous rejoignez. Nous avons découvert l'eau. Et apparemment, je suis attendu pour un Peep My Ride spécial Monody. On a découvert le Beniz, oui. Je peux. Mon récolteur d'eau fonctionne bien, hein. Il y a déjà 34 millilitres.
Nickel. Mon système tout complet pour arroser les plantes, il fonctionne nickel. Et en plus, il fait de l'eau en rab, mais la seule chose, c'est que j'ai pas de pompe pour aller dans la mer. Sinon, il serait 100% automatisé, mais je... J'ai pas ça. Mais au moins, il y a quelques, voilà, il y a quelques litrons qui se font dedans, qui mettent de l'eau, qui... tout ça, tout ça. T'es où, Alan ? Il y a de l'eau là-dedans ou pas ? Il y a pas de l'eau. Je suis devant les bateaux, là. On est sérieux qu'il va encore faire nuit, là ? Je vais t'aider au groupe, comme putain, ça. Putain, plein le cul ! Pardon, bonsoir. Tiens, pour Neru. T'as juste à faire tab en dessous de ton perso, accepté. Voilà. Oh. Voilà, c'est ce que Derive l'a offert à toute conne. c'est le bordel. Bon, qu'est-ce que ça donnait hier ? Putain, on voit même plus où qu'on habite. Ça a donné quoi après hier ? Vous êtes allé où ? Chercher des voitures et on a trouvé un genre de garage élévateur de fou. Du coup, Mono s'est dit je vais faire le Bénise. Mais je crois que j'ai vu ça. Ah bah ah, vas-y, tu peux me l'éclairer ? L'autre, eh mais sans déconner. Ah oui, on est on un garage. Ça. Oh, on est le Bénise. Ça, donc On a dû faire un. Attends, ça maintenant je peux l'équiper. Vraiment mettre une caisse dessus ? Bien sûr. Mais il y en a combien des caisses ? Mais un peu. Ah oui, d'accord. Donc on a là, avec les gros moteurs, ça c'est le truc le plus efficace parce que, en fait, bah tu vas voir après quand on met les voitures sur le pont. Oui. En gros, t'as un plateau sur lequel tu viens mettre des modules. Ah, et on peut le pimper. Donc après, tu peux pimper les caisses ? Oui. Ouais, donc là, tu vois, là c'est un 2 modules. Ouais. Ça c'est un 3 modules. Et l'autre, le plus gros là-bas, c'est 4. Ah. Parce que là, t'as un module de moteur. Ça, c'est les gros moteurs, ils prennent un module entier. Là, t'as un module de conduite, etc. Et ouais, après, j'ai un voyant essence. De stockage. Ouais, c'est normal, ouais. C'est-à-dire ? Il n'y a pas beaucoup d'essence. Et celui-là, okay. Ça, c'est un petit moteur et t'as et moteur et siège sur le même module, tu vois. Ah, mais c'est trop bien. Donc en fait, on peut vraiment s'en servir pour aller farmer, quoi. Ah oui, là, totalement, pour... ouais. Voilà, c'est fait pour. C'est l'idée, ok. Tu veux des vêtements, Alan, peut-être ? Ouais. Donc si je ne m'abuse, a été rajouté. Et donc là, en fait, tu les poses là-dessus et tu peux les pimper. On va te dire, il faut X, Y, Z pour créer tel module. C'est dans la caisse, là, en bois. Celle-là. Allez, regardez. J'ai un chapeau bougie. La lampe torche, tu l'as quand tu fais slash kit. Mais Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais c'est quoi, c'est... On dirait un fanatique, ah non, nom de Dieu. C'est dans celui-là, pardon. C'est là-haut. Celui en bois, là. Tu veux un chapeau bougie ? Ouais, je veux bien un chapeau bougie, frère. T'as un chapeau bougie pour moi. C'est un chapeau bougie. Et 20 secondes, c'est un chapeau bougie. Ah ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir un chapeau bougie, mec. Je pense que là, je peux quitter le jeu en paix. Non, mais parce que tu sais ce qui m'est arrivé hier. Non, dis-moi tout. Quand j'allais chercher les véhicules, j'étais dans la plaine la nuit avec ma lampe torche. Et j'ai un loup qui est arrivé. Mais du coup, quand j'étais comme ça, je fais lampe torche, j'étais bien. Et après, ouais. Je fais, oh, je vais taper le loup. Donc, oui. Je sors ma hache. Oui. Du coup, j'avais plus de lumière. Donc, t'as fait un chapeau bougie. Il y a des casques après, c'est une casque tactique ou quoi ? Ouais, ouais. Il y a même de la vision nocturne. Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut, la vision nocturne. Mais commençons par la base. J'ai commandé chez Monodic & Co. mon chapeau bougie. Il est où ? Attends, il arrive. Ah oui, apparemment c'est un peu plus loin créé, ouais, c'est le temps de fond de la bougie. C'est et bon, il est illimité ça. Ou faut le refaire une fois de temps en temps ? Attends, pourquoi j'en ai ça ? Alors il est illimité, ah non, par contre bon. Il faut que tu fasses du carburant, de basse qualité régulièrement. Je sentais graisse et tissu. Je sentais qu'il allait avoir une couillette dans le potage. Les seules lumières qui sont illimitées, c'est la flashlight et les lanternes. J'ai plus de flashlight. Pourquoi j'en ai 5 ? Ouais, t'en as 5. C'est x5, c'est le carburant qu'il y a dedans. Mais c'est le carburant. Et il s'allume tout seul la nuit ? Non. Bah, il s'est allumé tout le temps quand tu l'as, non ? Non, il faut que tu ailles dans ton inventaire, que tu sélectionnes l'objet dans l'inventaire et que tu appuies sur... Que dalle quand même ! Bah, ah, ça éclaire pas beaucoup, ouais. Tu vois... Tu vois. Quelle dinguerie, ce chapeau bougie. Ça a changé ma vie, le chapeau bougie. Le chapeau bougie. Ouais, le... Viens, moi, j'ai... Attends, elle est où, la porte ? Non, ça, c'est pas la porte. Bon, ça, du coup, vu qu'on va bouger à plusieurs... Est-ce attends, je fais juste un run rivière avant. Est-ce qu'on s'écriperait pas
Je sais pas qu'est-ce qui est quoi là, il y a des ça c'est de la bouffe apparemment, ça Je t'ai ramené plein de graines Alex aussi si jamais. Ouais. Et pourquoi mon bougie Oh non, F ça m'éteint le bougie mais ça m'allume les phares. Oh le bordel. Tu veux ce cache-qui c'est dans la console ou dans le chat? Ah ouais, tu peux allumer ou éteindre ton chapeau bougie. C'est chouette avec F. Ah. Oui, F c'est généralement la commande pour allumer ou éteindre les lumières, que ce soit sur équipé sur des armes, sur des véhicules ou en main. Il y a un coffre qui est fait pour moi, là, style pour mettre mon inventaire électrique ou quoi. Je sais pas, je vais prendre ça. Là. Pardon. Ça je peux le garder. Ça je peux le garder dans le grand rangement, tout ce qui me permet de gérer les câbles électriques et tout le merdier là. Donc limite ça je le garde. Ça ah bah non ça faudrait que je le ouais. C'est quoi? Je vais prendre celui-là. Et je vais mettre ce qui moi. Non, il me faudrait un petit. Plutôt, c'est mieux un petit. Je veux pas emprunter un grand. Est-ce qu'ici on n'a pas des petits là? Parce que celui-là il peut s'appeler Alex. Voilà. Comment on fait une pancarte? Ok. Oula. Ça tire à balles réelles. Je m'excuse, je poserai plus de questions. Je suis désolé. Non, j'ai eu un accident de altabisme. Et c'est. Le altabisme, ça fait souvent tirer comme ça, ouais. Oui. Ouais, par contre, le recycleur que t'as mis à côté de la base là, c'est. J'en ai fait spawn dans les endroits naturels des villes. Ah, j'ai cool. Pas encore testé les recycleurs. Ah ben. Tu mets des trucs et ça ressort d'autres trucs. C'est l'idéal. Putain, on a pas d'eau avec ma connerie là. Je vais chercher, j'arrive, je vais remplir le bidon, j'ai fait un run. Allez, vu que ça... Et pourquoi y a pas. Pourquoi ça marche pas? Il s'est passé quoi? Ah, c'est qu'on a plus d'énergie, putain. Bon, ça recommencera quand il fera jour. De toute façon, c'était le premier système. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller farm un peu pour voir ce qui se passe là. Donc là, c'est là où j'ai mis mes trucs. Enfin, on trouvera de l'eau potable. Est-ce qu'il faut une gourde, ça suffit? Ou vaut mieux emmener une bouteille d'eau au cas où? J'ai toutes les bouteilles d'eau, j'arrive. Moi je vais prendre gourde et eau, je pense. Après, si tu te blindes d'eau, normalement, en session de farm, on devrait être good. Hein. Merde, je suis muté comme un con. Prends un bidon sinon. Parce que moi on m'a donné une gourde. Bien. Tu peux boire dans le jerrycan? Non, tu peux pas boire. Hein. Ouais. Si, tu peux. Bah alors pourquoi je prends pas un jerrycan? C'était changé ça. Tu cliques dessus dans l'inventaire et tu verras en haut t'as marqué boire s'il est rempli d'eau potable. Bah je vais emmener un jerrycan plutôt qu'une gourde. Arrêtez d'être con. Hein. À quoi sert alors la gourde? C'est quand t'as pas de jerrycan, c'est ça? Oui. Ok. Je vais emmener un jerrycan, j'ai de l'eau pour... Après, je crois que c'est plus simple de boire à la gourde qu'au jerrycan, du coup genre t'es en train d'être poursuivi, t'as besoin de boire, etc. Tu peux directement le mettre dans ton inventaire, appuyer sur la touche associée. Non, on va faire ça à la gourde, on va essayer d'être quelqu'un de civilisé. De toute façon, si je suis bien blindé en flotte, ça devrait aller. Mais là, on n'a plus de flotte à la maison. J'arrive. La rivière étant pas trop à côté. Ça va rajouter du poids si on met un module. Est-ce que c'est géré comme ça? Hop là. Alors du coup. Oh mais là, dans le récolteur d'eau, il y a un demi. Ah j'ai mon chapeau Tac. Bougie, il s'est arrêté. Tac. Il a plus de carburant? Ouais. Oh là là. C'est dommage. Ça a duré 5 minutes. Et voilà. Oh, on tout pourri juste le ma chapeau gourde. Bougie. Nickel. T'en as mis où de l'eau? Ah, dans celui-là. Dans celui, ouais. Et comment je bois? Clic gauche. Ah, c'est comme ça. À la bouteille, normalement, je crois. Parce que le dire, c'est que là, pour aller farmer... Je suis plein de partout, là. Tant bien, j'en ai encore une pleine à vider. Tu veux des graines de maïs, Alex? Ouais, l'occasion. Là, je t'avoue que pour l'instant, je m'en fous un peu. J'ai regardé comment ça fonctionne, mais il faut un meilleur système d'eau et d'électricité. C'est tout. D'accord. Là, tu vois, en fait, j'ai fait un tableau électrique où t'as une entrée, trois sorties, mais ça split l'énergie. En fait, il faudrait des accumulateurs d'énergie. En fait, tu peux mettre toutes les énergies ensemble, les séparer. Donc, en gros, tu pourrais très bien en mettre 5 ou 6 comme ça, les emmener vers un premier bocal qui fait 2 égale 1, puis 2 égale 1, monsieur. Et tout ça égale 2 égale 1. En fait, tu seras toujours en paire. En entrée, tu seras paire. En sortie, tu seras
impair, sauf si tu veux le même courant, dans ce cas-là, tu travailleras différemment. Mais si je vais acheter ma flotte, là, comment on fait pour boire et manger? Je comprends pas le truc, là. J'ai du poulet, là, j'arrive pas... Faut que tu appuies sur le chiffre de la barre. Ouais, le chiffre de ta barre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Dans l'inventaire, clic gauche et t'as une option manger. Les chiffons, okay. Ça, c'est... le tissu, ça sert, c'est ça. Faut toujours avoir sur soi de la pierre, du bois, ouais, et du tissu. Du tissu, ouais. Ouais. Des cordes aussi. De la graisse, c'est pas mal aussi. La graisse, j'ai pas, ok. Et je me suis même pas fait d'arc et des flèches. On a des flingues en rab ou c'est chiant de trouver des flingues ou pas? Ah, j'ai juste trouvé des morceaux de flingues, mais moi, pas de flingues. Maintenant que Walou a désactivé deux trucs essentiels pour ça, ouais, ça va être plus chiant, ouais. Il a désactivé quoi? Ah, les loot. Il a désactivé les airdrops et les trucs à câble. Moi hier j'ai eu une M5 avec lampe torche, etc. Et c'était quoi les trucs à câble? En gros, ça va spoiler. Je peux spoiler parce que voilà, sinon j'ai spoilé et Molody va pas être content. Ok. Mais en gros t'as des endroits où tu vas, où tu vas avoir des drops et tu auras des techniques particulières pour les débloquer. Ok. Et donc ça on les a désactivés pour l'instant, on les mettra qu'en journée PVP. Normalement. Si je ne m'abuse, ça remplit bien, ça c'est cool. Et les premières journées PVP, il n'y aura pas d'attaque de base. Nickel. Je me dis bon. Médecin là. Vraie question, on a l'opportunité de faire un établi niveau 2, est-ce qu'on le fait? On peut, c'est à côté, maintenant c'est l'arbre des talents quoi. En fait, c'est juste que moi j'ai 450 scraps là et je crois que c'est la totalité qu'on a. Et ça va quasiment tout niquer. Est-ce qu'on n'irait pas farmer du scraps un peu à la levée du jour là? Je pense qu'on peut faire ça. C'est F pour... Putain, j'ai déjà niqué mon... J'ai une proposition à faire. Est-ce qu'on prendrait pas des trucs à recycler si on croise un recycleur pour faire du scrap ou du tissu? Mais justement, il y a un recycleur à côté de la base. Bah, faut prendre tout ce qui sert pas, non? Tout va dans le scrap ou tout va dans le recycleur ou pas? Beaucoup de choses vont dedans, ouais. Tu verras, en fait, tu fais un clic droit sur les objets de ton inventaire. Là, on a des freins, il y a des trucs où on s'en bat un peu les couilles. Ah putain, on a ça. Ah, vous avez ramené des séparateurs de fluide. Des conteneurs de fluide, ok. Et j'ai loot un truc aussi, je crois que c'est où? Pour info, pour les pièces de voiture, je les ai toutes blueprint et je les ai apprises. Après on s'en fout parce que ça va wiper ce sort mais... J'ai loot un séparateur industriel aussi. Moi je trouve ça cool d'avoir testé là pour savoir où tu veux te diriger après. Moi je visite très bien la map aujourd'hui. Voilà. Il est où le recycleur? La map ce sera la même... Il est derrière les voitures. Ça sera le même délire que le wipe. T'as à peu près les mêmes centres d'intérêt. Si j'ai tout compris, à tous les points d'intérêt, maintenant il y a des pinges. Hein. En ville, il t'aurait pop, ouais. Ouais, faut y aller doucement quand tu veux leur faire le cul, quoi. Tac, tac. Parce que qu'est-ce qu'on a comme arme pour faire le cul au pinge, là? Moi j'ai un gourdin. Ok. Attention à vous, je recule. Où est-ce qu'on peut récupérer de la flotte, du coup? T'as le bidon près des bateaux, et il te faut. T'as des bouteilles vides dans les coffres, ou alors avec le tissu que j'ai là, je vais pouvoir te faire une gourde si tu veux. J'ai ma bouteille vide, en essayant de l'utiliser, je crois que j'ai acheté toute ma flotte. Y'a plus de tissu. Ça, c'est la merde. La gourde, par contre, quand t'as à la main, c'est. Je sais pas quel clic. Je voulais me faire un arc pour pas être à poil. Moi, j'ai rempli ma bouteille du coup. Mais je vais laisser au pire ceux qui ont des arcs flinguer les autres. Tu cliques dans ton inventaire. J'ai dans le bidon, et sur côté t'as donné ou prendre et tu prends dans le bidon en fait. J'avoue que j'ai pas d'arc non plus. Et... Plutôt que les gourdes, on a plein de... Parce que n'utilisez pas du tissu là. Si, justement, je suis en train de faire du tissu, je vais vous faire des gourdes s'il faut. Non, pas des gourdes, on a au moins 20 bouteilles en plastique là, il faut les utiliser. Et avec le tissu, il faut faire des arcs. Attention, je recule. Hop, tac. Tissu, je mets ça là-dedans. Avec le cuir, hop, tac. Hop, nickel. Oh putain, j'ai plus de lumière. J'ai plus de graisse dans ma lampe frontale. Moi, ça va se. Le jour va se lever là. J'ai une bouteille là, s'il faut pour Alan. Bah, j'en ai une, j'ai eu dans mon kit là. Là, des bouteilles, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Ah merde, j'ai. Mais quand, par contre, quand je clique sur 5, ça va. J'avais mis mes affaires en mode c'est mon coffre, il y a quelqu'un, il l'a rangé. Ok. Tu cliques gauche avec ta bouteille dans la main. Ah, c'est pas comme la bouffe. Il est où ton coffre? C'était celui-là. Mais non, ça l'a acheté par terre encore. Mais il a été rangé.
Des trucs qui ont disparu, d'autres qui ont été rangés, c'est pas grave. En bas à droite, c'est la nourriture. Ouais, ouais, on a vu. C'est des choses qui arrivent. Non, 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 non. Ah bah si, du coup. Oh putain. Sac à dos. Effectivement, il y a des PNJ en plus, ouais. Ah bah oui. C'est pour ça que j'aurais bien utilisé la... Je vais laisser les, de la scrap ici, en fait. En fait, j'aurais utilisé les tissus pour faire du comment ça s'appelle. Mais les tissus, ils sont là, Alex. Hein. Ils sont dans un des deux coffres. Hein. J'ai tout mis de ce que j'ai recyclé. Je crois que c'est dans Amo, je crois, que le cuir. Je sais plus, mais... 28. Avec les 28 tissus qu'on a, j'ai de quoi faire un arc. Fin. Bah, fais-toi un arc, si tu veux. Comment on ramasse une boîte au sol? Tu peux pas ramasser de boîte au sol. Ah non, mais une boîte. Tu peux looter l'intérieur. Ah, faut que tu le remove. Ah, il faut que tu le remove. Ouais. Comment je fais? Slash remove dans le chat. Ok. Après, moi je sais faire si ça intéresse quelqu'un. On a des. Ah, mais ça l'a détruit. On a du métal de haute qualité. Négatif. Ah, parce que si on en avait, je sais faire des couteaux de combat. J'en ai plein, moi, ouais. Si ça vous intéresse. J'en avoir. Je peux vous fabriquer ça pour un métal de haute qualité et 25 fragments de métal. Je peux faire un couteau de combat. Ah oui. Bah, Ah, putain! Il remove tout là, Spin Disable. Bah après, moi je connais que le marteau, mais le marteau est détruit par contre. Remove tout là, Spin Disable. Non, moi, mais c'est... Walou, il a mis des scientifiques aux stations de service, il n'y en avait pas avant. Oui. Moi, c'est les couteaux de combat là, si on a du métal rare là, un métal de haute qualité, je vous en fais un chacun. Hein. Je viens de rechoper 24 de tissu, Alex, si jamais. C'est 50 pour faire un arc. Il m'en reste 20, Alex, du métal d'autre qualité. Est-ce que vous, après, est-ce que vous voulez un couteau de combat ou pas les... En fait, il faut le garder pour réparer les voitures. Oui, mais là, si c'était toi, si tu en veux un, tu me donnes un truc, je te fais un couteau de combat. Ouais, mais... Et si tu veux un couteau de combat. J'ai quoi comme arme? Merde. Bon, je regarde. Ah oui, j'ai un couperet de récupération avec 60 de dégâts. Comment tu mets les flèches sur l'arc? Tu cliques droit en fait, et du coup ça va les charger dans le. Non, plus du tout. Au cas par cas. Ok. Oh putain, faudrait que j'aille refaire du métal de haute qualité. Bah, au plus. Et j'ai une lance. Hein, là, est-ce que quelqu'un veut une lance? Non. Oh non, c'est bon, merci. Ok. C'est combien les arcs là? Les arcs, c'est 50 tissus. Oh. Je peux en faire un seul. Et bah, vas-y, go. Fais-toi un arc si tu veux. Si quelqu'un me trouve un métal, je peux vous faire encore un couteau de combat. Couteau de combat, il a un dégât. Métal, hein, mais... Il a un dégât de 35. Je suis pas à côté, mais j'en ai plein. Ouais, je dois avoir une cinquantaine de. Attends. De métal. Je te file la moitié, Alex. Mais c'est que pour ceux qui veulent. Moi, je m'en fous. Hein. Une flèche, je sais pas combien ça met de dégâts. Draco, tu veux. Oh, j'aurais pas besoin d'autant, je pense. Mais tu veux un couteau de combat ou pas? Moi, j'ai un couteau en os. Okay. Il fait combien de dégâts les couteaux de combat? 35. Ah, parce que nous on a des trucs qui sont vénères, hein. Genre ça. Mais le gourdin, faudrait que je le répare, mais j'ai pas le plan pour le réparer. Ça, c'est donc vénère. Je suis baisé. Ouais, ça c'est 60 de dégâts par tatane. Et tu peux faire ça en plus. T'arrives, tu le prends. Comment on fait ça? Alors là, par exemple, quand on va se balader pour loot, tu vas avoir des. Clic droit, tu vas charger. Ouais. Et après, bah, clic gauche. Tu vas avoir des genres de barils à péter pour pouvoir loot des trucs là-dedans. Pas quand tu fais ça. Tu vas avoir des coffres où tu vas pouvoir accéder avec un E aussi. Vois, mais et voilà quoi. Les armes. Bah écoute, et bah tiens, tu rends le métal pour les répar. Ça fait de rangement. Si personne n'en veut, hop, voilà, on s'en fout. De toute façon, après là, on en a un sac à dos en bas. Quand tu cliques dessus, t'as des emplacements en plus. Avec les. Comment les. Les véhicules, ça devrait aller. Bah, en fait, est-ce que j'emmène le pétrole brut qu'on a si on trouve une raffinerie? Ah bah vu tout ce qu'on a en vrai, on en a. J'emmène les 574 si on trouve une raffinerie. Ouais. Parce que peut se transformer en carburant de basse qualité, ce qui sert pour tout quoi. Oui. Allez, on fait ça. On y va? On est prêt? On se casse? Écoute, on est là. Je vais vérifier le réservoir. Mettre un peu. Là, il y en a 120. Ah putain, on peut partir qu'à une seule voiture ou bon, en fait là j'ai prévu deux véhicules avec deux gros moteurs, deux places chacun,
et avec un de stockage chacun, comme ça on split un peu, tu vois. Putain, il y a du stockage. Ok, donc il y a cette grosse là, et celle tout au bout là. Ouais, je me suis fait chier à aller chercher les trucs qui avaient les modules de stockage parce qu'on ne peut pas les fabriquer en fait. Alors je vais faire hyper attention quand je vais conduire, promis. Normalement ça se pète qu'avec le decay, tu peux taper des trucs, normalement il n'y a pas de... Allez bon, on y va, je suis prêt. Attends, je te remets un petit... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de flipper my ride. Je t'ai réparé ma gamin, t'inquiète pas. You gonna flip my ride. Touloulou, 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 touloulou. Salut gros, aujourd'hui Mono il va pimper ma voiture. C'est une vieille Aprilia de 2003. Et moi j'adore la musique. Oh, mais on a même un sympa qui sent dans la voiture. Ah ouais, vous avez le petit sapin scotché. Oh, incroyable. Et il y a des jours de rayé, c'est les jours sans accident, c'est ça? Peut-être. Et moi j'ai personne avec moi? Ah si. Pardon, je rigolais, je vous ai prévu, madame. Oui, on va où? C'est pas grave, hein. On va où? On va... Est-ce qu'on va où? Au village des pêcheurs? Je sais pas, on va où? On peut aller au pire à la décharge, parce que la décharge doit y avoir masse de saloperies. Ouais, mais je crois que c'est... C'est pas radioactif? C'est radioactif, la décharge. Ah ouais? Non, c'est pas radioactif. Ok, bah allons-y. Par contre, j'ai pas d'essence, hein. Si, normalement, je t'ai mis une centaine. Ok, la jauge, elle est pétée. Ah, la jauge est pétée, très bien. Attends, du coup, c'est par où? Quelqu'un peut mettre un point sur la décharge? Je vous mets ça, attendez. Je crois qu'il y en a déjà un, mais je sais plus comment il s'appelle. La décharge, bombe d'Estal, la décharge. Mais je comprends quand quelqu'un me disait, mets-toi à côté des points d'eau potable quand tu fais une base. C'est-à-dire que si tu pompes direct dedans, t'es pas emmerdé, quoi. Et puis même là, en fait, là, l'endroit qu'on a, il est inaccessible de tout. Ouais. C'est une galère. On s'en fout parce que demain, wipe, mais faudra envisager un truc. C'est le... Point violet. Neru disait plus t'es proche du milieu, mieux c'est. Maintenant, plus t'es proche du milieu, le jour PVP, plus tu te fais péter le cul aussi. Hein. Ah oui, on est d'accord, mais. Là, tu vois, genre un endroit comme ça, c'est cool parce que. Tu sais, c'est plat. Et l'endroit où on est, c'est un peu montagne et tout. Hein. Pour information, donc sur le serveur, on est PVE. Et deux fois dans la semaine, il y aura 24 heures PVP. Un 24 heures en week-end et un 24 heures en semaine. Ouais. Ça va être l'enfer. Donc style de mercredi midi à jeudi midi PVP, de samedi midi à dimanche midi PVP. C'est passé où? Putain, je t'ai perdu hein, parce que moi j'avance. Derrière le caillou. Je suis la ligne électrique. Olé. Et on n'attendra pas d'attaque de base trop vite. Ah, et puis il y a ceux qui vont attaquer les bases, qui vont se mettre bien là. J'ai dit, les bases lesquelles? Celles des joueurs? Ouais. Non, il y aura pas, on va mettre style 15 jours ou 3 semaines de sécurité en mode interdit d'attaquer les bases. Les jours PVP, là par exemple, on est dans la pampa, t'entends pan pan, tu te fais fumer, c'est la vie cuit. Mais pas ta base. Attends, je vais regarder le... C'est là où on va là, station service? Non, on est station service là pour le moment. Non, on va décharge, non. Je pense qu'on va faire une zone de loot un peu là, voir s'il y a de la bouffe ou des véhicules. Putain de merde! Vous êtes à la station, c'est là que j'ai su aussi. Ça nous court après, je m'arrête pas, ça va Draco? Oh loulou loulou! J'ai pris une balle! On dirait à l'anière! J'ai pris une balle! Mais what the fuck? Je vais lui jeter des bouts de poulet, attends. Est-ce qu'on s'arrête ou pas? Bah alors on va pas faire grand chose avec mon gourdin hein, j'ai des flèches. Très beau chapeau bougie, j'avais pas vu d'ailleurs. Nickel. Merci. J'ai un pistolet, je peux faire un pistolet à clous si vous voulez. Non, on est dans la merde. Et vous êtes où vous les copains? Côté. Alors, j'aimerais juste dire que on parle de PVP mais on est déjà pas capable de buter deux pauvres PNJ. Oh là là. Mais il cavale comme un connard. Il y en a des loups à gauche là et on est bien. Mais je sais pas où je vais, je suis dans la forêt Draco. C'est au point violet, faut aller au point violet, ils sont à droite. Attends, on prend pas la prochaine route à droite là? On est dans la forêt nous, on veut pas se faire fumer le cul. Ouais, c'est ça, pour aller chercher ça, ouais. Vas-y. Et après c'est tout droit, t'arrives à aller chercher. Mais c'est peut-être pas mal l'histoire des drops. C'est quoi? Oh, un cheval. On peut acheter un cheval avec des scraps. Pourquoi il y a un truc qui est des étincelles? Alors Alex, s'il vient, ça peut faire grand chose avec ton... Allez, allons-y. Vas-y, conduis la voiture. T'inquiète, les étincelles, c'est normal. D'accord. Il n'y a pas une vue d'extérieur? C'est ce que je voulais regarder, c'est pas une vue troisième personne. Non, il n'y a pas de troisième personne. Je te suis, Draco, je veux juste faire rigoler les copains. Wouhou.
Oh, oh Jolly Jumper, il fait du 140 km/h. Tap 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 tap. Tu freines, on fait fin du sang. Ah, c'est nickel. La décharge là-bas là. Attends, faut qu'on regarde parce que s'il y a du monde, on va se faire fumer en fait. Bah ouais. Il y a des zones. En fait, t'as des zones où tu vas marquer. En bas à droite, tu vas marquer zone sécurisée. Et là, t'es tranquille. C'est une montagne ça. Attends, je vais. Oh, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Putain, il est dopé. Il est dopé à la coke, le cheval. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. À droite, à droite, à droite, à droite. Ça passe dans la forêt. Y a... Oh putain. Y a personne là, on a pas l'air de se. Non, par contre, y a une bestiole là. Je sais pas si on peut. Tu me suis ? Le cerf ? Ouais, je te suis, ouais. Tu vas avoir du mal, le cerf, mais. Oh, il est dopé, hein. Je sais même pas quand. Bon, il se barre. Okay, bandido, hein. Bandido ! Je vais l'appeler Nick Parnasse, mon cheval. Non, j'ai rien, moi j'ai que. Ah ouais ? Oh putain, y'a du monde ! Oh, y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde. Je vais défoncer. Fais gaffe, en face de toi, y'a du monde. Ouais, t'inquiète, j'ai ma casquette. Alors le ping, je. Ouais. T'as un ours au cul, let's go ! Ah ! Mais pourquoi ? J'ai un ours au cul ! C'est irréel ! C'est irréel ! J'ai un ours au cul ! Oh, Draco ! Draco, la carquille l'ours ! Nickel, pas bouger, Nick Parnasse. Il va où ? Oh, Nick ! J'ai pas de flèche. Okay. Comment on récolte un ours ? Faut mieux le faire au couteau pour tu récupères plus au couteau. J'ai pas de couteau. Putain, j'ai pas fait de flèche, j'ai pas appris les flèches en fait. C'est bien, Nick Parnasse, rien à de. Il est tout seul, le mec, ça n'a aucune logique. Point, hein. Je crois que je l'ai défoncé, que je sais pas comment on utilise la lance, mais. Une arme à distance très précise, quoi. Oh, je pouvais faire une arbalète. Je sais pas, quoi, Draco, elle a carquille l'ours. Ah, on fait ça, puis avec les sangliers et tout, nous. Hein. On s'en fout, hein. Y'a pas de dégâts sur la voiture, si ? Il me tire dessus. Si, il faut falloir que Mono la répare, justement. Vous tirer dessus par hasard, là. Non, j'essaye. Pas encore. Ah, encore une balle dans le cul pour Alan. Oh, mais en même temps, hier soir, on était chaud. On a vu un pauvre hélico. On a tout flingué, alors, nous, avec Alan. Deux gosses hier en RP. Ça tire, non ? Ah oui, ça tire. Il y a deux mecs qui sont vénères, là. Attends. Je vais essayer de les carkill, mais moi, je vais me faire défoncer, en fait. Et en vrai ? Bah, en fait, j'ai pas pris tant de dégâts que ça. Hein. Il est bien sûr. Pas mal, il arrive. Pas mal, ouais. Oh, ça rafale de attends, fou. Attends, faut pas que je t'écrase. Aïe. Attends, faut pas que je t'écrase. Vas-y, c'est bon. Mais il y en a un deuxième derrière. Et en vrai, Alan, hier, j'ai pas trop mal géré avec le Rebla pendant que l'autre, avec son hélico, oh, essayait de nous flinguer. Oh, t'as plus des conchons qu'avec moi, là. Ils sont combien ? J'ai plus de vie. Il y en a au moins deux. J'ai plus de vie, moi. Il faut aider les copains. Taïo, en fait, oh, faut pas que je le loupe. Ah. Aïe. Mais ils sont planqués en fait. Non, il est au milieu de la route. Oh, lui, il est planqué. Demi-tour. J'ai plus de vie, je vais crever. Draco, il est au milieu de la route. Ah, mais il vous tire dessus. Ah, à vous. Ah oui, il tire, ouais, ouais. Ah, mais il est presque mort. Je suis dessus. Ouais, moi aussi, aïe. Oh, il y a saignement. Ouais, il est cool. C'est bon, tu l'as écrasé. Moi, je suis en train de looter la décharge en attendant. Faut que je me casse! Aïe! Ah. Putain, il va me tuer! Il y en a un autre! J'ai plus de pare-brise! Mais j'ai plus de vie, moi! On voulait faire quoi? On voulait loot! Et Alex a mis ta lance dans la voiture! Oh, il m'a achevé! Aïe! Mais moi j'ai voulu lui mettre un coup de lance et Oh, y'a du gasoil là! J'ai pris du gasoil! Ah ouais, mais en fait, moi je voulais le carkill, mais ce bâtard ils sont planqués. J'ai un problème. Moi il était contre un caillou, je lui ai tout mis, mais c'est quoi ton problème, Alex? Mon cheval est en bas, à côté de lui. Je suis sur la colline avec mes zerks et mes flèches, et à peine j'essaye de le viser, il met 12 bastos à la seconde. Alors attends, parce que ma voiture est pas baisée, j'y retourne. Moi je loot plein de trucs, hein. Pendant qu'il vous tire dessus, je suis en train de faire tout. Ah vas-y, fais tes meilleurs lits, vas-y. Moi je veux juste le carkill, ce bâtard là. Je vais jamais des damage normalement. Comment il était contre le caillou. Comment tu as gagné de la vie, il y a des soins. Hein. Faut que tu manges. Ouais, bah j'ai pas trop à manger en fait. Bon, bah moi je vais essayer d'aller récupérer mon corps du coup. Ah, tu récupères ton corps. Ouais, parce que là le. Tranquille. Est-ce que je peux sauter genre de très haut ou pas? Non. Mais il prend là, non? C'est moi ça. Oh merde. Oui, bah je sais. Adieu. Au revoir. Je suis mort. Bah lootez-moi. Putain, mais gagne toi. Y'a un ours juste à côté. Hein. Ah. Oh la vache. Prend pas le dégât. Non, enfin moi ça m'a des tics, mais il prend rien. Oh la vache. Oh, il m'a un poids rouge sur ma gueule. Il tire dans le pare-brise. Bon, ça c'est moi.
Attends, j'ai te loot, Alex. Je suis où? Oh, quel enfer. Oh, je vois pas. Faut que je me heal. Je suis où, moi? Ah, y a trop de coins. Où est-ce qu'on voit où on est? C'est ton petit point jaune, normalement. Ton petit point jaune. Après, en bas, quand tu meurs, en bas à gauche, tu as ton sac de couchage sur lequel tu peux respawn. T'es où? Si vous avez mis des sacs de couchage, évidemment. Ah, je suis là. Mais t'es mort où? Adieu. Je suis au niveau du village de pêcheurs tout là-haut. J'ai plus rien à bouffer, j'ai plus de vie. Attends, j'arrive. T'inquiète pas, il y a à manger chez moi. Tiens. Mais la voiture, elle a rien pris en fait. Non, la voiture, elle a rien pris. Mais j'ai pas le corps d'Alex par contre. Il est où ce bâtard là? Il est encore en bas ou pas? Oui, oh oui, 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 oui. Et genre, je peux pas mettre tout ce que j'ai looté dans la voiture pour sauvegarder? Si, si, si. Vas-y, ouvrir, nickel. J'ai plein de ferraille, j'ai plein de pétrole, j'ai. Ah! C'est beau, hein. Mais je vois pas ton corps, Alex, je peux pas te loot. Donc par là. Non, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Je sais pas où il est ton corps. Je vais descendre au port. Il est quand même pas tombé à côté du mec qui tire. Ah si, j'étais pas loin. Mais t'étais sur la montagne ou t'étais en bas? Non, j'étais en bas, je suis mort en bas. Ah! Vas-y, j'ai tout sauvegardé dans le. Nickel. La voiture. S. En vrai, j'ai pas mal loot, je pense. Hein. S de ouf. Et une voiture. La tuer, c'est bon? Non! Ah, je tombe dessus! Ah, laissez-moi en vie. Combien il reste mais de cartes? D'accord qu'on peut pas le tuer avec une lance. Si, moi j'en ai tué un avec un arc, mais il y en avait deux. Ouais, mais avec une lance là. Avec une lance aussi, en fait, la lance, tu peux la. En fait, il en faut plusieurs. Merde, putain. Ah oui, d'accord, je l'ai jeté la lance, j'en ai mais plus. Mais putain. Putain, je suis tellement voilà, pas rendu. Avec le clic droit, tu peux lancer des objets comme ça, en effet. J'ai mis un coup de hache, c'est bon, il va mourir. J'ai plus de vie, il a rien à manger. J'ai plus rien à bouffer. Je peux pas aller lutter avec. Tu l'as eu ou pas? Non, j'ai pas eu, j'ai mis un coup de hache. Attends, moi, je suis en train de me balader dans la pampa. En fait, il vous a aggro. Du coup, je pense que je vais aller lui mettre. Je suis moitié malade depuis hier soir, ça pue la gastro cette merde. Il est sur toi là, non? C'est bon, il est cané. C'est bon. Et faites pas 20 mètres de plus, il y en a un autre 20 mètres après l'arche. Attends, il a des bastos. Mais il est où son arme? Et comment on trouve une arme là pour ceux qui ont l'habitude là? Elle a une table de mélange, oui. Tu voles sa table de mélange. Ouais, voilà, comment on trouve une arme? Seringue médicale, il y a une seringue médicale sur lui. Bah, Alex. Tu. Normalement, comme je te disais, il y a les airdrops et les. Mais le problème, c'est que c'est désactivé pour l'instant. Il y avait un gun là. Pourquoi on les a désactivés? C'était trop pété, c'est ça? Il a une flèche dans le cul. En vrai, pas plus que ça, je pense. Alex, mais... ça, okay. J'ai un arc. Il est pas là, Wawa? Il est mute. Je te mets dans la voiture, merde, non. Et ça, ça a été désactivé, Alex, je crois que c'est parce qu'il. Flèches. Ouais, vas-y, bah pique-moi tout, parce que de toute façon, moi je suis mort, alors... On va mettre... Au pire, de toute façon, on s'en fout, on peut mettre dans la... Dans ouais, la, dans j'ai, la mis voiture, des, j'ai mis des trucs dans la voiture, il y a une flèche et la seringue. Son flingue, je sais pas, hein. Hop là, j'ai ton stuff avec ça. Ça, c'est gentil. Putain, je trouve pas mon corps. J'avoue que j'ai intégré... Il y a un ours? Quoi, il y a un ours? Ouais, il y a un ours à côté, ouais. Ouais, c'est normal de se battre avec des ours. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu le... Parce qu'il est vide. Tu vas le manger? Non, je... Bah ouais. J'ai récupéré 19 fragments d'os et mais en fait, il n'y avait plus rien sur lui, rien. Oh ouais, mais j'ai ramassé des bastos, par contre, j'ai ramassé des balles de pistolet. Mais pas de si on attention, fait un feu de camp... Attention à vous. Attends, je vais faire un feu de camp, comme ça, on va pouvoir faire cuire la viande que j'ai. Ouais, parce mytho, que j'ai on va aller bouffe du tout. On va aller buter le deuxième, là. Ouais, il en restait un au fond. Hein. Et l'ours est revenu dans la décharge. Tu vas se péter la gueule avec l'ours, tu vois. Pourquoi il y a un arc par terre? Les marques sont à peu près random dans Rust, ils sont logiques. C'est par où? Parce que moi je recherche mon corps qui est pas loin de la station. Mais dans la voiture qu'on le perde pas. Ton corps qui est pas loin de la station? Okay, ouais, je vois le deuxième, il est au bout. Le deuxième, il est au bout. On est pas trop à côté de la station. Je recule. Alors, on est pas derrière. Vous étiez à côté, il y a quelques... Je vois l'ours. On a la décharge là. Oh, il est l'ours. Oh non. Moi je le pose, le feu. Et d'accord que le stuff d'Alex il despawn pas au bout d'un moment. J'ai tout ramassé. 10 minutes je crois. Attends, je peux pas monter à côté de la décharge, putain. Faut qu'on aille plus loin pour faire. Ah, j'ai un ours au cul!
Tu peux le car kill, tu peux le car kill. Ouais ouais mais attends, parce que là je suis pas dans le bon sens. Tu vas le car, tu la car kill. Je le chope là, là je le chope là. Vers moi, ça pue. C'est bon. Nickel. Allez bisous, bah attends y'a l'autre là-bas. Ah pour là-bas, faire à manger là. Ouais mais il faut qu'on aille plus loin, on peut pas mettre de feu de camp près d'une zone comme ça. Mais c'est pas une safe zone hein. Bah moi il me dit que je veux pas que je construise ici donc safe zone ou pas safe zone, il me dit il va te faire foutre. Même un feu de camp. Oui même un feu de camp. Wow. Oh le relou. J'ai 12 viandes d'ours crues. Tu trouveras pas d'armes à feu sur un ours mais un PNJ humain peut-être. Mais ça, oui je suis pas con mais... Ah bah si en plus, on verra mais quoi voilà mais je crois que voilà il les a désactivés parce que apparemment c'était trop pété. De quoi d'avoir les armes sur les pinges. Oui. Dans les airdrops et tout. Il y en a qui les ont rushés et qui étaient full armés. Ah auprès de la route. Je sais pas, je reverrai avec voilà le pourquoi du comment il les a désactivés, mais je crois que c'est ce que j'ai entendu, c'est que c'était trop pété. Mais parce que sinon les armes, c'est ça, avoir des vraies armes, c'est endgame. Attends, je peux pas construire de feu de camp, ça casse les couilles. Ce bâtard, il fait poser, je peux pas le carkill. Putain, je retrouve pas mon corps, fais chier. En fait, t'as plein d'items, et j'en suis sûr qu'à la fin, tu recycles la plupart, quoi. Oui. Oui. Oh, let's go! Tu l'as eu? Oh, ça touche, là. En pro Minecraft, hein. Si tu connais le jeu, tu peux être full stuff en 30 minutes avec les drops et tout. Ah, c'est peut-être ça aussi. Ça évite d'aller trop vite, de désactiver les drops. Enfin, surtout s'il n'y a pas la notion de PVP. Donc c'est pour ça que je pense que les drops seront réactivés uniquement en PVP, parce qu'il y aura une prise de risque et de croiser des gens. Ah bah quand quand un drop arrive, il est marqué là. Sur la carte. Et quand dans ta gueule. Tu l'as eu à certains endroits, ça le signale aussi. Ouais. Allez, ça dégage là. Bah c'est bon, tu peux venir, Alan, du coup. Oh, je viens de manger une larve. T'as réussi à faire le feu ou pas hein. Non, non, en fait, il veut plus courir nulle part. Shooter, là. Allez, ça va pas galérer en bout. Mais ça veut dire que tant que t'as pas fait tes premières armes, tu vas pas en ville, quoi. Après, j'ai déjà looté pas mal de trucs. Ouais, j'ai déjà fait du tour. Ouais, idéalement, il vaut mieux rester à l'abri. Bon, ça va se ranger. Et tu peux crafter des armes à partir de quel tiers? Oh, tu peux. En fait, tu peux déjà crafter des armes. Tier 1, je crois qu'on avait des pistolets et des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, t'as déjà ça de dispo. Tu vas dans arme, tu vas voir, t'as le pistolet EOK, le pistolet à clous, l'arbalète, qui sont pas dégueux. Hein. Ouais, ouais, il faut qu'on. En fait, on a la décharge, mais il y a R, c'est ça? Mais en fait, moi, pendant que vous étiez dessus, moi, j'ai fait pas mal de tours. Hein. J'ai récupéré deux barils de gaz. Là où je trouve pas mal, tu vois, c'est dès que tu suis les routes. T'es où, Alex? Je suis juste au-dessus de la décharge, je vais vous rejoindre par la route. Tu veux qu'on vienne te chercher ou pas? Je te dis ça. Ah oui, je suis au port. Je suis au port, okay. En fait. Tac. Ça va peut-être être relou pour j'arrive. Toi de venir. Attends, par contre, je sais pas si j'aurai assez de carbu. Par contre, je viens à toi. C'est plus simple, hein, je viens à toi. Par contre, le long des routes, t'as souvent des carcasses. C'est là où tu trouves pas mal de scrap et tout ça, quoi. Ouais, hey, il nous reste plus de carburant. On est à court de carburant. On pourra même pas rentrer à la maison. Un arc à. Let's go! Que j'ai mis dans les véhicules, tu peux pas l'utiliser? J'ai trouvé un arc à poulie. J'ai mis deux barils de gasoil. Je sais pas s'il prend les flèches standard, mais. Non. Carburant approprié pour l'excavatrice. Non, pour quoi? Et non, pour mis... l'arc à poulie ou non pour le. Dans mon kit, il y avait du carburant, je sais pas quoi, là, que j'ai mis aussi dans un des deux véhicules. Ouais, j'ai pris, il y avait 10. Oh, ça va être un enfer. Arc à poulie, par contre, Alex, ça doit être vénère. Hein. Ouais, faut que je teste s'il prend les flèches standard. Bah, je pense. Je vois pas de raison pourquoi il les prendrait pas, pour le coup. Oui, je vais tester, je vais faire des flèches. Tout ça. En fait, y'a rien à l'autre à la décharge, en fait. Y a des barils à péter. J'en pète, je les pète et je récupère du gasoil, mais je... Moi, j'ai fait 3-4 caisses, en fait. Il y en a une autre, là. Attends, là, c'est quoi, l'excavatrice? Ça se conduit? Mais tu vois, je pense que l'idéal, je sais pas trop... Après, il doit y avoir des façons de faire PVP où tu fais juste des gros blocs de maisons et tout ça. Mais non, frère, ça se conduit. Il est où le... Mais l'idéal, tu vois, quand tu veux bien découvrir, c'est de faire un... Tu fais un camp où chacun fait sa maison. Oui. Dire... oui, oui. Quand tu veux bien découvrir, je pense que c'est l'idéal.
En gros, chacun gère son élec, sa flotte, sa bouffe. Et en fait, tu utilises en commun que quand... Enfin, tu vois ce que je veux dire, que pour découvrir et après chacun gère son truc. Je pense que c'est l'idéal. Oh oui, j'ai retrouvé mon body, trop bien. Attends, par contre, ça bouge, mais ça fait quoi? Pardon. Oui. Ça, c'est quoi? C'est déjà bougie de mauvaise qualité. J'ai trop envie de tester cette merde là. T'as été voir là-bas, Alan, dans le truc vert et tout, y'a rien? Non, ouais, c'est un truc de bus. Hein. Ok. L'excavatrice. Y'a un truc derrière là. Avec des barils. Mais non. Il y a une raffinerie au port. Ouais, mais j'ai plus le... C'est l'équipe qui a dû récupérer le pétrole qu'il faut qu'on raffine, là. Le pétrole brut, là. Je vais aller voir si, sans me faire fumer, je trouve la raffinerie, là. Mais il va y avoir des PNJ, donc il faut que je fasse hyper gaffe, parce qu'ils rigolent zéro. Hein. Mais comment ça fonctionne, ça, là? J'ai toujours pas trouvé de pierre, hein. Je suis un peu emmerdé. Je comprends pas. Je vais aller voir là-bas. Oh, un connard. Comment super. Ça fonctionne? Oh putain, trop bien. Je comprends pas. Je suis dans une bécane à aimant, mais j'ai pas pigé. Ah, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont pas fonctionnels encore. Donc peut-être que tu peux pas t'en servir vraiment. Ok. Ah oui, d'accord, ça a cramé 4. Super. J'ai déjà mon inventaire plein. Hein. Quand tu te balades, ça va vite. Hein. On est dans la sauce pour le carburant, j'annonce. Il faudrait que vous veniez à pied jusqu'à la raffinerie, là. Où je vais sûrement me faire canner, parce que je vais croiser un pinch et il va me fumer. T'es où? Attends, où la raffinerie? Au port, normalement, il y a des raffineries. Et je cherche à quoi ça ressemble, en fait, pour pouvoir vous montrer... Fais juste gaffe qu'il n'y ait pas quelqu'un. Il y a des énormes camions. Je kifferais trop les avoir. Voir les conduire. J'ai une bouteille de plongée, ok. Ça ressemble à quoi la raffinerie, non? Il y a des coffres aussi hein, dans la décharge. Oh, le gaz, les bidons pétés. Zéro PNJ au port, va au milieu. Ok, au milieu du port. Ok. Le long de l'eau vers un escalier. Il y a zéro PNJ, hein. C'est quoi ça là-bas? Ah ouais, ouais, Alex, il y a zéro PNJ. Putain, les infos de chat à la con. Mais Walou, il a rajouté des PNJ. Dans les endroits où il n'y en a pas normalement. Genre les stations de service, il n'y en a pas. Ouais, mais c'est bien. Le port, il n'y en a pas. Bah, un peu de... Ah oui, là, là niveau difficulté, c'est pas mal, ouais. Recycleur. Ah, je trouvais un recycleur. Donc dedans, on peut mettre style. Je vais tester, mais ça... T'en as un juste à côté de ta maison aussi, hein, de votre base, de recycleur. Bon, ça, je sais que ça chauffe. Ah, ça te donne du ferraille. Ah, c'est bien ça. Il est dans la merde. Style des bougies de mauvaise qualité, tu les flingues, quoi. Ça, on peut tout. Je peux en faire les 4. Tout ce qu'il y a besoin pour les. Tu peux attraper les voitures blanches pour les mettre dans le broyeur, dans la décharge. Ok. Avec la grue, du coup? Ouais, mais la grue, je l'ai fait fonctionner 30 secondes, ça a niqué 4 trucs de carburant. Mais ça peut être un bon truc à savoir pour avoir du métal et tout, quoi. Ah là, putain, le wipe, ça marchera. Ça fait du bois, c'est trop bien le recycleur en vrai. Non! Mais c'est pas vrai, nique ta mère! Ça va pas du tout, je suis à poil. Ça sent le pompon, ça. Ah oui, fais papa. Ah mais y a des bâtiments là. J'ai un problème de bouffe par contre. Hein. C'est la merde. Ouais, mais par contre, qu'on aille à l'extérieur pour faire cuire parce que je peux pas qu'on sorte de feu ici, ça fait chier. J'ai de la bouffe, Alan. Il est où? Oh, il est là-bas, je le vois, ce petit connard. Putain, mais y a air là-dedans en fait. Vous avez déjà looté les Algeco au-dessus? Il n'y avait rien dedans. Ouais, mais je pense qu'on a bien fait le tour, là. En fait, c'était vide. Ah non, mais par contre... Ah ouais, non, mais ça, c'est un réglage, il est pas bon. Hein.
J'ai encore un baril de gasoil là. J'ai l'impression que ça respawn parce qu'il était juste à côté de nos véhicules. Je crois que les temps de respawn sont très courts. Hein. Ah ouais, pour les PNJ scientifiques là, j'en tue, en fait ils reviennent direct. Parce que c'est qui les PNJ scientifiques? En fait c'est les... Non mais... C'est les mecs en tenue bleue qui vous ont tiré dessus. Ouais. Ah, je crois qu'Eric c'est encore un sur le cul d'ailleurs. Je suis d'accord, mais faut remettre des drops ou quelque chose là. Putain, je sais pas comment on va faire pour rentrer les deux voitures. Je sais pas comment je vais faire pour encore m'en sortir. Je suis dans la merde, je suis piégé dans le port là. Un commutateur, ok. Parce que là, il y en a partout des mecs. Hein. Mais on peut pas partir au port à pied là, comme on disait, pour la raffinerie. Et si on met le pétrole dans le recycleur, ça nous donne quoi? Attends, je vais mettre un message à Walla. C'est bien sûr. On peut en mettre un pour tester. Carburant approprié pour l'excavatrice, le gasoil qu'ils disent. Ouais, c'est en fait un site sur la map qui s'appelle l'excavatrice. Tu verras en fait, ça permet de, bah, de miner, tout simplement. Ok. Bon, je crois que j'ai tué tous les scientifiques, super. C'est un cercle qui est court. Bah du coup, vu que ça a l'air d'avoir relou, je refais le tour un peu. Peut-être que je mange un jour. Ouais, moi aussi, je commence à avoir la dalle de fou, là. Ouais. Hop. C'est l'enfer. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de tacos en plus. Bon, il arrive. Wawa, il me dit je mange, j'arrive. On va en parler okay. Avec lui. Vous allez pouvoir ajuster sans aucun souci. Bougez pas, j'arrive. Je vais me foutre dans un coin, ça y est, je vais me chercher à manger, moi. Faut un peu en hauteur, là. Dans un coin où il y aura pas de scientifiques, là, nickel. J'arrive. Oui, ça repop devant moi, les trucs, là. Par contre, les pinges ont pas repop, c'est ça? Là, moi, je l'ai tué à la station de service à côté du port. C'est un service d'Oxum, là. Mais ils ont vite ripop, ouais. Un peu compliqué. Oh putain, il a encore... Oh non, mais c'est trop rapide. Oh putain, mais il a ripop, j'étais dessus. Oui, c'est la merde, là. C'est beaucoup trop rapide comme temps de ripop. Oh, j'ai un loup. Oh putain, je me suis barré, il allait me tuer. Attends, je m'éloigne, je vais aller me heal, là. Il est sur toi. Mais moi, je peux pas, j'ai pas de bouffe, moi, je... Oh putain de merde, mais pourquoi ça nous a repop sur la gueule, là? Bah, le loot repopait depuis tout à l'heure, donc c'était étonnant qu'on ait pas les... T'es à la station là où je suis, mon nom? Ah, on a des charges. Ok. Il y a Kim qui est... Il y a Draco qui est dans le... au niveau du pinch. Oh putain. Elle est partie manger. Ok, go. Attends, mon problème c'est que là il me reste 34 ouais. PV, je peux rien faire. J'ai quoi. 10 PV, je me fais fumer. J'ai 40 PV et j'ai plus de bouffe. En gros, là, avec les PNJ rajoutés, à part rester chez soi et crafter des armes, y a pas d'autre solution. Oh, mais il a rien pris, j'ai voulu le carkill, il a rien pris, je vais crever, je me barre. En plus, j'ai un saignement de 5. Aïe, oh bah, j'ai 20 PV, 19. Ah non, vas-y, on se casse. Ouais, bah, ouais, je peux pas. Je saigne 5 et j'ai 13 PV, je pense que. Bah, non, mais ça passe, hein, mais là, faut juste se barrer en fait. Hein. 3, 2, attends, c'est des secondes. Je peux même pas me faire un bandage. Et ça rend que dalle de bouffe, ça. Oh, vas-y, on se casse, hein. L'exploration, c'est plus tard. J'ai 8 PV. Ah, mais le truc, c'est que, en fait, c'est. L'exploration, c'est quand même, ça permet de débloquer un peu les trucs dans le jeu de base, quoi. Parce que là, il faut qu'il réduise les spawns pour moi. Pourquoi t'as 8 PV, Alan? C'est passé quoi? Parce que ça respawn dans la base. Ah! Ça repop, donc fais gaffe. Il faut qu'il quoi, si tu disais, Niru? Que le spawn des PNJ méchants est trop rapide.
En fait, c'est qu'ils ont respawn alors qu'on était juste à côté, tu vois. C'est trop bizarre. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ils sont méchants, on se fait péter la gueule. Ouais, les PNJ scientifiques, ils ripop très vite. Très très vite. Trop vite. Ouais. Et t'en as rajouté à des endroits où il n'y a pas de base en plus. Oui, tout à fait. Le but, c'est de ralentir la progression générale. Dans le sens, comme il n'y a pas réellement de PVP, etc., il n'y a pas énormément de risques d'aller dans les zones. Ouais. Je suis assez d'accord, hein. C'est vachement bien. Bon, moi j'aime bien. Certaines zones. Ouais, non, mais le temps de respawn, ça faut adapter. Ouais, adapter le temps de respawn parce qu'en gros, les mecs étaient en train de farmer et ça leur a pop dans la gueule. Bah, dis donc, ouais, tu tues les deux scientifiques à une station, tu lootes trois trucs et ça repop devant toi en fait. Oui, je vais adapter le temps de respawn, ça c'est pas un souci. Ah, je suis dans la forêt. Ouais, qui est au moins une petite demi-heure, un truc comme ça. Ou 15, je sais pas en vrai, mais. Alors actuellement, le timer c'est 900 secondes. 900 secondes, bah ça a pas marché comme ça là. Si ça leur a pas dans la gueule. 900 secondes, ouais, ça a été plus rapide que ça, ouais. Ouais, 900 secondes, ça fait 15 minutes. Ah. Si, en vrai, c'est cohérent. En vrai, c'est ça, je pense. Hein. Ah, 15 minutes, c'est court, hein, en vrai. On monte à 1800. Faire, on monte à 1800 t'as... secondes, non? Ouais, je vais mettre 1800. T'as pas moyen de le faire, genre, quand on s'éloigne? Non, c'est pas par instance. Ok. C'est par timer. Là j'ai mis 1800, ça fait 30 minutes, ce qui devrait être plutôt pas mal. Après au niveau des nombres, ça allait. Ouais. Moi qui connais le jeu, je trouve que c'est beaucoup. Si, mais... Je sais pas s'il y a genre tu sais zéro zone où on peut aller pour piquer des trucs, tu vois. Si, il y a des zones où il n'y a pas de PNJ qui spawn. C'est aussi l'intérêt, c'est dans le sens où les grosses zones, il y a des PNJ, c'est pour éviter d'y aller très vite en fait. Parce que sinon, des moyens de rush le jeu en allant très vite dans les grosses zones. Oh, non, mais oh c'est putain, pas oui, il est en plein milieu le sac à merde. Et le fait qu'il n'y ait plus les. Comment ça s'appelle? Ah, mais vous êtes barré? Ah, bah oui, ah non, bah c'est oui, barré. Qu'il n'y ait plus les. Merde. Qu'il n'y ait plus les drops, on les réactivera que les jours PVP, on est d'accord? Non, je pense que je vais jamais réactiver. Alors, des events, il y a encore. Remonte. Normalement, il y a encore l'hélico de combat. Il y a encore le cargo, le gros bateau là. Ouais. Il y a encore un autre event. La plateforme pétrolière. La plateforme, elle est immuable, on peut pas la changer. Ouais. Ah non, mais c'est pas vrai. Mais d'où t'as popé là? Nique ta race. Non, j'en ai marre, ça fait 12 fois que je crève. Non, ça me fait pas rire là, je vais rage quit. C'est impossible. Les mecs maintenant ils popent aussi dans les buissons, c'est bon, ouais, faut pas aller dans les villes, on va pas dans les villes, faut pas aller dans les buissons, à ce rythme là, je vais quoi, dans l'eau, je suis un poisson. Ta mère. Ça, les routes c'est immuable à Rust, c'est pas quelque chose que moi j'ai modifié. De base les PNJ spawnent sur les routes. Bon bah voilà, c'est fini pour moi, encore. Je vais être franc, Wawa, c'est injouable. C'est injouable. Ouais, ouais. Je veux bien, mais c'est injouable en fait. C'est-à-dire que on a des gros malus, mais on n'a pas de bonus. Donc à un moment donné, voilà. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas qu'il y ait des PNJ partout qui te tirent sur la gueule, mais il faut aussi qu'à un moment donné, tu puisses leur répondre. Sinon, c'est chiant, quoi. Oui, tout à fait. Ah, je vais crever. Non, mais c'est qu'on a. En fait, on n'a pas encore, Alex. On est peut-être allé un peu trop vite dans le sens où on est venu avec des arcs, tu vois. Alors qu'on peut builder des armes nous-mêmes. Alors, en effet, c'est ça. Le chemin que je choisis en faisant ce genre de décision, c'est de looter d'abord des routes et les petites zones et de commencer à avoir les premières armes, les petits pistolets, et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous défendre contre les PNJ. Après, à l'arc, les PNJ, ils se font, tu vois, mais c'est chaud. Ouais, mais je te prends l'exemple là. Moi, je suivais les routes là. Je suis où là maintenant? Les routes, ça c'est. Oh. Les PNJ peuvent spawn sur les routes. C'est indépendant de. Ouais, mais de ce fait là, ça veut dire que là, si je fais après, ça. Après, tu te remets un kit. J'ai plus de kit, je peux plus. Ah. J'ai pris mon kit là à ma mort et je viens de claquer comme une merde. En gros, je suivais une route tranquillou. Le PNJ, il a pop dans le buisson et il m'a fait le cul. Voilà. Donc, ça, c'est l'âme du jeu. Ok. Je suis un peu moins enthousiaste que quand j'ai découvert l'électricité et l'eau, en toute franchise. L'électricité et l'eau, j'étais en mode « Ah, c'est génial !» Là, c'est-à-dire aller farmer 35 heures pour crafter un pistolet qui sera 10 fois moins puissant que ce que le PNJ a en face, c'est possible Y a un bateau en bas. C'est possible que ça me gonfle vite.
la partie survie est complète et réelle. C'est qu'il y a vraiment une difficulté au niveau de la survie. Après, ouais, normalement, t'as les scientifiques qui spawnent sur les routes à des endroits un peu random. Mais là, franchement, le fait que t'en aies mis deux sur les stations de service qui sont quand même le bas niveau de loot, là, c'est un peu chaud, quoi. Moi, okay. Je trouve. Cadeau, Alex. Gerve, t'as pop pas loin. Alors, passe pas ah ouais. Dans la décharge, mais fais le tour et on est en bas, non. Attends, mais je crois que c'est t'as sur... pop au nord, il m'a, non, il m'a fait pop sur mon perso. Cadeau. Ça, c'est gentil, ça. Oui, les stations service. Bah, les stations service, j'en ai mis quand même. Je vais diminuer. Il y a certains trucs que je vais diminuer parce que c'est vrai que c'est quand même un peu trop violent pour le début, pour des débutants. Mais les stations service, ça reste un. Même si c'est une petite zone, ça reste une zone de tiers, on va dire, au loot. Ah bon? Oui. Là, sur les stations service, c'est des caisses d'armes. Ah ouais, mais les caisses d'armes, elles contiennent pas d'armes. Non. Mais c'est ce genre de caisse, tu, par exemple sur le traitement des eaux, tu n'as pas de caisse d'armes. Alors sur la station service, oui. Bah, ils parlent chinois, les mecs, donc là, mon moyen est perdu. Oui, oh, c'est normal. Autre truc. J'ai beaucoup mais oui, je vais réadapter les PNJ. Par contre, oui, les routes sont de base. Non. Sont putain, j'ai perdu mon arc à poulie. Tu la drop au l'endroit où tu t'es fait knock. Et le PNJ est mort. Je vais drop rien du tout. Hein. À l'endroit où t'es tombé, donc plus loin, faut que tu remontes sur la rue. Oh non, mes couilles, je crois que je suis passé par là, là. T'as suivi la route? Non, j'ai pas suivi la route. Je crois que j'ai knock par là. Oh, il va faire nuit en plus. Quelle combinaison de plongée? Oh, je peux aller chercher Alex, il faut. Hein. Donc là, faut que je trouve un arc dans la pampa par la nuit. Je peux venir te chercher s'il faut. Ok, bon, y'a plus rien. Oh merde, j'ai pas tout recyclé, bon, c'est pas grave. Bon, on va prendre ça, ça. Merde, putain, je parle dans le vide. Y'a plus de carburant dans les voitures. Oh, mais je peux y aller à patte, il est juste au nord de la décharge, on est au sud. Ah oui, si après on va le chercher à pied, on peut laisser les véhicules là, tu vois. Mais je sais même pas si on va réussir à en rentrer. À rentrer. Avec les voitures. Ah. Alex. Putain, saloperie d'arc à poulie à la con. Je pensais pas que ça consomme autant. Bon, il est bien cet arc à poulie ou pas là? Oui. Ah bah oui, on peut viser. Même très bien. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Mais alors, je pense que c'est le genre de jeu, tu peux facilement rager. Oui, on en a fait clairement. Franchement, Alex, c'est juste que vous ne faites pas les choses comme il faut, sans être méchant. Si je t'explique, tu vas vite comprendre. Mais en fait, moi j'attends pas qu'on m'explique. J'attends que le jeu soit suffisamment intuitif pour t'accompagner. Bah, le jeu, il t'accompagne de que dalle. Démerde-toi, tu peux crafter des trucs, on ne t'explique pas en fait. Ça s'appelle à un moment donné, quand tu crées un jeu, c'est aussi le principe. Si tu dois attendre après une communauté, ton voisin, ton grand-père, je sais pas qui t'explique les tenants et les aboutissants parce que lui-même, il en a chié avec sa bite et son couteau, ça fait que clairement, bah, c'est de la merde. Bon, en fait, solo, tu découvres le jeu, si tu bouffes pas des forums, tu comprends pas grand-chose, quoi. Alors, en fait, le jeu, comment tu es censé le découvrir, c'est sur des serveurs publics, avec beaucoup de joueurs, donc t'es censé faire extrêmement attention, aller sur des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de gens, avoir une progression très lente. Quand on est directement lancé dans un truc comme ça, avec une progression plus rapide, avec des zones beaucoup plus ouvertes, on a l'impression, enfin, on veut tout de suite aller plus vite, plus loin. Et en fait, je suis pas d'accord, parce que j'ai regardé plusieurs lives et de la vidéo YouTube, la communauté Rust, c'est sûrement l'une des plus toxiques avec WoW. Les mecs, ah oui, ils courent partout, ils font n'importe quoi, ils ont plaisir à poutrer des gens en boucle. Ouais, moi j'ai pas vu des gens qui prenaient leur temps. J'ai vu des gens qui courent, qui rushent. En fait, tout ce que j'ai vu en live et en vidéo, les mecs ils vont vers les airdrops, ils s'équipent, ils flinguent du monde. Fin de chantier. Je l'ai vu comme ça dans ce que j'ai vu. C'est ce qu'on m'a rapporté aussi, ouais. Parce que c'est des gens qui connaissent les mécaniques du jeu. Les gens qui ne connaissent pas le jeu, comment ils apprennent, c'est... On est pas là pour ça. Voilà. Là, de toute façon, je vais diminuer des trucs, hein. Mais ça, il n'y a aucun souci. Mais oui, le Rust, le corps du jeu de Rust, c'est faut en chier pour arriver à passer au travers. Bah, je trouve qu'il y a très peu de choses... Ah, je vous vois sur la carte, j'arrive. Il y a très peu de choses d'expliquer. Oui. Le jeu est agréable, il y a plein de choses qui ont l'air chouettes. Mais à un moment donné, c'est pas mal d'expliquer les trucs aussi, hein. Je trouve le jeu plus accueillant que DZ pour le coup. Ah oui, alors par rapport à DZ, DZ est tout autant un jeu hyper toxique. Hein. De toute façon, tout jeu PVP a ses déboires. Hein. Tout à fait.
Après, il y a, quelques personnes ici qui ont passé plus de 250 heures sur Rust. Hein. Moi, je suis à la disposition de n'importe quel joueur sur le serveur. S'il a besoin d'explications sur comment fonctionne tel truc ou ce machin, si je connais les mécaniques, je lui expliquerai sans problème. Après, oula, connais-tu la communauté LOL ? Ah oui, oui, pour avoir fait du LOL très longtemps et même à un très bon niveau. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent « Ouais, moi je suis un connaisseur de LOL, non, c'est juste un rageux qui a regardé trois mécaniques sur Internet et qui joue toujours de la même manière, de la mauvaise d'ailleurs. » Comme beaucoup de jeux où tu as de la compétition en fait. C'est une question d'ego. Bon. LOL c'est toxique au niveau chat, Rust c'est toxique au niveau comportement. Mais c'est pareil pour Arc PVP, hein. On dira ce que vous voulez. Salut, bonsoir. Bonsoir, il y a de la bouffe dans les feux de camp si tu veux. Ouais, je suis pas mal. Là. C'est Arc PVP. Pour moi, c'est sûrement la commu la plus toxique. Au-dessus de Rust. Arc PVP, c'est quand même des mecs qui disaient... T'es streamer ? Ouais, bah tu vas pas faire le malin ici. Tu veux jouer avec nous parce qu'on est un des plus gros groupes. Tu live pas. Au début, tu seras notre pute. Tu t'occuperas juste de reproduire les dinosaures. Et peut-être que si t'es là tous les soirs de 19h à 2h, à un moment donné, on te fera confiance pour faire ça. Et si on te laisse à un moment donné liver, tu liveras avec un décalage de 2h. C'est une dinguerie, hein. Arc PVP aide pas le jeu du tout. Hein. Puis regardez, c'est chiant parce que c'est des mecs, ils font tout en baissant la tête comme ça. Pour pas qu'on voit où ils sont. Bah dans Rust, il y a le même genre de mécanique qui est utilisé. Notamment, tu peux aussi, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous appuyez sur Alt, ça donne une petite caméra libre. Ah oui. J'avais pas vu. Ah ouais, j'avais pas vu. Oui. C'est-à-dire que pendant que vous courez, vous pouvez appuyer sur Alt et puis du coup regarder autour de vous, etc. etc. sans que ça bouge la tête de votre personnage. Donc pour les gens qui sont à côté de vous, vous regardez tout droit, mais en fait, vous regardez pas du tout tout droit. D'accord. Ah, c'est des mécaniques, là, ouais, d'accord. Du coup, je peux faire des arcs à poulies et des arbalètes, si jamais il y a comme besoin. Hein. Arc à poulies, j'en ai un, ça a l'air chouette. Il faudrait qu'on rentre, qu'on fasse des armes, et qu'on fasse moins fort. Alors, on a un problème pour rentrer, c'est qu'on a plus de carburant. Ok, j'en ai peut-être un peu. J'en ai 17. Ah, mais je suis con, j'ai de la graisse, moi. Comment je mets du carburant dans les bordels là ? J'ai de la graisse et du tissu. J'en ai mis de la graisse dans une voiture aussi. J'ai graisse et tissu, en vrai je peux en faire ? On peut en faire un peu mais je pense qu'on n'arrivera pas à les ramener. Attends, il y a 64. Pourquoi je peux pas en fabriquer ? 37 dans l'un. Pour lui c'est pas dans le... Attends. Et 26 dans l'autre. C'est pas suffisant pour rentrer ? Vous avez pas retrouvé Findus ? On est parti avec une centaine à la base. J'en fabrique. On parle des pierres communes de jeux vidéo, mais quelles sont les meilleures du coup ? Bah, après, moi j'ai prêché pour ma paroisse, mais. Les serveurs de communauté RP, la plupart, à part 2-3 rageux de base, c'est des serveurs de communauté avec des gens qui ont envie de jouer ensemble. Alors, t'auras toujours des rageux hein, partout. Pourquoi... Oui. Ah, tu jettes tes trucs par terre, toi ? Ouais, parce que j'ai plus de place. Okay. Mais oui, les meilleurs communes, c'est les communes de passionnés. Oui. Donc les communes de 43. WoW, hardcore, de... WoW, les communes WoW, alors ça dépend où tu vas. Mais c'est comme tout, ouais. En fait, faut mesurer le truc. Hein. Mais pourquoi il veut pas ? Après, il y a des sacs à merde partout. Hein. Ah bah ça, oui, des sacs à merde, il y en a partout. Il y a un mec tout nu, ah bah c'est WoW, ça. Ah non, ça. On est bon. Donc, il faudrait que on aille s'équiper d'armes. Hop. Est-ce qu'on ferait pas la station au petit jour ? Là, on n'a pas de quoi attaquer la station service ? Non, on n'a pas tous un arc ? Bah, enfin, moi, je fais en solo à l'arc. La station service, ça passe. Je la fais en solo, la station service. What the fuck ? What the ? Ah oui, il se fait plaisir aussi. Tac, tac. Je suis encore en train d'en faire. Hein. Mon stuff est caché où ? C'est pas Mano qui l'a récupéré ton stuff ? Ah, Mano est mute. Merde putain, je dis le bois, les cailloux, tout ça j'ai absorbé dans le mien. Donc je te refile un stack. Ah ouais, on s'en fout. Attends, là il y a 130. On va pouvoir rentrer en vrai.
Moi, je pense qu'on est bon. Un marteau de récupération. Ah, ça, c'est pour récupérer des objets et tout ça. Bon, je vais le recycler. C'est ça. Pour un item craftable qui est fait à la base pour péter les tonneaux, ce genre de choses. Tu peux aussi taper pour faire des dégâts avec. Il y a combien dans les véhicules, là? Je suis encore en train d'en faire, le kit de couture, là, hein. Ça sert à quoi? À recycler. Plus tard. Après, ouais. Plus tard, ça sera utile. Ah, il y a un paquet de trucs que tu peux recycler qui servent pas. Qu'est-ce que suite, j'ai jeté? Parce qu'en fait, plus tu recycles, plus t'as aussi de nouveaux objets, style des circuits, des machins, tu recycles des trucs un peu. On est à peu près. Là, en recyclant, j'ai eu du métal, quoi, de haute qualité. Ouais, let's go. Je suis encore en train d'en faire, là. La logique de recyclage est normale. C'est-à-dire, par exemple, si tu recycles une caméra, t'auras forcément des circuits imprimés dedans. Donc, t'as tout intérêt. T'as tout intérêt à recycler. En gros, au départ, faut que tu sois un peu une hyène, quoi. Exactement. Le départ de Rust, c'est... Faut pas jouer les zones risquées, faut rester sur le bord des routes, looter 2-3 petits trucs, se focus sur la chasse et puis le farm. Et au fur et à mesure que tu vas accumuler des connaissances et à commencer à avoir des armes, là, tu vas commencer à t'intéresser aux zones plus grosses et où il y aura plus de risques, etc., etc. Ouais, je peux faire des flèches inflammables, trop bien. Ça veut dire que ça inflamme les mecs ? Ouais. Oui, ça met un effet de feu. C'est pratique, bon. Notamment sur des bâtiments. Ok. T'as différents types de. Mais écoutez, on est good. Ouais, on va pouvoir bouger. Il va faire nuit. Sur toutes les munitions, t'as la munition de base. Il va faire jour, ouais. Il va faire jour. Oh, cool. J'ai 40 flèches, donc là, moi, j'ai de quoi voir venir avec mon arc à poulie. Qui c'est qui conduit ? Tu conduis, Alan ? Je peux conduire si tu veux, ou Alan, ouais, ou vas-y. Mono, ou comme vous voulez, as you wish. En vrai, t'as pas encore conduit, Alan ? Vas-y, bon courage ! Si, je conduis, si tu veux. T'as vu, regarde, je te mets des feux intérieurs, mon Mono ! Ah, je veux bien, ouais. Ça te va ? Alors, attends. Je suis pas bien IRL en plus, je suis tout malade. T'es tout. Eh, mais je me demande si j'ai pas chopé une gastro, moi. J'ai passé tout le live hier avec une barre en bas du bide, là. Et je suis en mode depuis hier, limite envie de vomir et tout. Ah, c'est ce matin, je sais pas, mon nez il a fait « Allez, je te nique !» C'est la bise. Et du coup, Alou, les jeux d'argent, voilà. Et tout ça fonctionnent ? Oui, alors, parce que hier, Yamono, il a fait du poker. Oui. Il a niqué tous ses scraps au poker. Allez, bim ! Faut le loot, lui. Il va nous donner de la graisse et tout, et du cuir. Ouais, j'avoue. Attends, vous voyez là quand je vous éclaire avec la voiture ? Ouais. N'hésitez pas pour truc qui est récoltage d'animaux, de prendre des couteaux plutôt. C'est plus. Ouais, je peux faire un couteau d'os en plus avec ce que tu l'as trouvé. Moi j'ai rien du tout encore. Et moi je commence à me dire que la plupart des trucs dans mon inventaire, bim, recycleur. Hein. Ah oui, tu vas voir que. Alors au début. Il faut tout recycler. Après, tous les items qu'on loot sur le jeu sont utilisables plus tard pour des crafts ou pour des choses. Mais le début du jeu, c'est de recycler. Attends, mais je vais pas aller tout dans la bonne direction, si ? Si, si, tu vas tout droit. Ah, si. Ça sera dans environ 3... Oh, ça tire ! C'est ma direction. Station essence, ça tire, je crois. Ça tire après quoi ? Station essence, ça tire, je crois. Je sais pas contre qui, mais... Et dans ce jeu-là, t'es de nuit ? Station, ça tire, ouais. De nuit, c'est un jeu d'horreur. J'ai pas mal de loot là. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que même sur les jours PVP, quand ça se met à tirer, en fait, tu vas vers des coups de feu quoi. C'est une combinaison anti-radiation. Incroyable. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est obligatoire sur le jeu. Ah, mais c'est moche. Oui, c'est très ouais. Oh, ouais, je suis pas sûr de vouloir la mettre. Ah, y'a du loot là. Fais voir à quoi tu ressembles avec ta combinaison anti-radiation. Ah, bah oui, j'ai une combinaison aussi là. Ah oui, j'ai du pétrole brut. Alors attends, ma combinaison, je l'équipe. Il est où ? Et là. Ah, vraiment la priorité. Donc en gros, dans le jeu, est-ce que ça te change, t'as vu ou pas, de mettre cette combi ? Non. Ok. Donc en gros, la priorité, c'est cette combi plus des gilets pare-balles, quoi. Il n'y a pas de gilets pare-balles. Ok, on est dans la merde. Quand t'équipes cette. L'asthma suit, tu ne peux rien équiper d'autre. C'est-à-dire, tu peux pas avoir de bottes, de casque, d'armure, de quoi que ce soit. T'as juste la. Donc en gros, tu la mets que quand t'arrives en zone irradiée, quoi. Elle se recharge ou pas ? Non, c'est illimité. Ok, j'ai eu peur. Quand t'appuies sur tape dessus, t'as les. T'as des pourcentages sur ce qu'elle donne en armure. Donc les balles, les radiations, ouais. Le froid, les morsures, les coups de couteau ou
Et l'asma suit est extrêmement pratique et peut être utilisé pour looter la plupart des bases. Okay. Mais la vraie priorité, c'est d'avoir de la ferraille, du scrap pour faire les recherches avant. Ouais, tout. Donc limite, en fait, au départ, t'es même pas obligé de te faire une base à fond. Tu te fais. Tu trouves un peu à bouffer et t'essayes de comment ça s'appelle ? D'avancer dans l'arbre pour crafter, quoi. Ouais. Alors, si vous voulez mon conseil sur comment faire un bon début, sur une équipe de 4, il y en a un qui s'occupe de la construction, il y en a un qui s'occupe du farm, c'est-à-dire ramener de la bouffe, ramener du bois, ramener de la pierre, du métal, etc. Et il y en a deux qui s'occupent de faire le bord des routes, faire les petits endroits pour looter du scrap et le ramener à la base. Ça, c'est la composition idéale pour un début plutôt pratique. Il y a plein de loot là, hein, je suis un... Oh ! Oh ! Il est trop bien ce véhicule là ! T'es où, Alan ? Bah regarde là aussi, au bord de la route. Je viens d'avoir du carburant là. Ah oui, j'arrive. T'as trouvé le camion caravane ou pas ? Un camion caravane ? Ouais, il y a un camion avec un arrière de caravane. Il y a un baril là encore là-bas, il y a deux genre barils. À l'intérieur tu peux rentrer à 10 000 quoi. Avec un barbecue à l'intérieur et tout. Wow. Et tu peux le conduire ça ? Ouais, tu peux le conduire, ouais. Donc en fait c'est une base coffre, mobile. Non ? Avec ouais, une base mobile avec des lits et tout à l'intérieur. Et tu peux mettre des armoires dedans ou pas ? Non, tu peux pas mettre de matériel à l'intérieur, mais tu peux bien stocker, bien te déplacer et avoir un point de respawn du coup si tu fais un lit à l'intérieur. Mais d'accord qu'on attend la journée avant de passer à station service, hein ? Bah, je pense. Moi, je rentre sur le bord de route en attendant. Par contre, j'ai plus de flotte du tout, moi. Alors... Ah, t'as pas ? Bah, j'avais qu'une bouteille, donc là j'ai utilisé mes deux gorgées quoi. Et les pinges, ils peuvent looter les armes ou pas ? Moi j'ai des bidons. Les pinges, non. Ça c'est la chiasse quand même. Il y a moyen de faire en sorte que quand le pinge meurt, il drop l'arme qu'il en main. Ah, moi je veux bien. Mais en vrai, c'est beaucoup trop pété. Ah bon ? Oui. Là, un pinge, tu le tues assez rapidement et t'as une AK dans les 20 premières minutes du jeu, c'est un peu pété quoi. Ouais, la bite. J'ai masse truc sur moi. Pas logique, tu tues quelqu'un qui a une arme. Oh là là, incroyable. Je t'ai mis un bidon là. Putain, mais y'a pas d'eau dedans. Là, j'ai eu du carburant, j'ai eu 9 de carburant, je sais pas s'il y en a besoin encore. J'ai mis dans la voiture. Hein. On a 150 dans celui-là. 146 dans l'autre. Oh, il pourrait faire jour là. Je voudrais voir parce que je suis devant la station service, mais je vois que dalle. Bon, j'ai mis de toute façon. Bah, t'es mort, hein. Non, je suis pas mort, c'est bon. J'attends qu'il fasse jour. Il va bientôt faire jour, hein, non ? Il est quelle heure ? 13h07. Ah ouais, on a lu pas mal de trucs, non ? Draco ? Il est quelle heure ? Dans le jeu, putain. Je me doute bien, ouais. Par contre, tu te rends compte que la nuit dans ce jeu, c'est l'enfer. La nuit est monstrueuse dans ce jeu. Ah, c'est la vraie nuit de pleine nature, là, tu vois vraiment que dalle. Mais par contre, pour le PVP, c'est vraiment ouais, trop cool. Hein. Pour les attaques de base et tout, tu fais ça le soir, t'as la vision nocturne, t'as des trucs, tu te régales. Surtout, tu te fais aggro dans la pampa, tu peux facilement fuir dans la nuit en te cachant dans un buisson et personne te voit. Ouais. Les buissonnades de reste marchent bien. Et du coup, il sert à quoi cet argent là qu'on loot quand on casse un bidon ? Alors, c'est un système qu'on a implémenté pour faire un système économique. C'est-à-dire que quand vous faites slash balance dans le chat, ça vous dit l'argent que vous avez. Vous pouvez faire un slash transfert espace le pseudo espace le montant que vous voulez transférer. Et il y a un système à part, c'est le slash trade. C'est-à-dire que vous pouvez lancer des trades entre joueurs et du coup convenir sur un prix et puis faire comme ça des transactions de blueprint ou d'équipement, etc. Ok, donc c'est que entre nous. C'est que entre joueurs. Ouais, c'est style, tu veux vendre une AK, un truc comme ça. C'est ça.
Par exemple, moi, j'avance, j'ai de la chance de choper une AK, je fais le blueprint, et puis j'ai envie de me faire un peu d'argent, je me dis, bah vas-y, je vais vendre l'AK, le blueprint à 3000. Et dans ce cas-là, ceux qui c'est-à-dire que tu peux vendre aussi des ressources. C'est avec le trade, tu peux tout transférer ce qui est item. Ouais, donc il faut qu'on laisse la difficulté alors. Si tu veux laisser ce système comme ça, faut qu'on laisse de la difficulté, faut qu'on les gens en chient un peu, quoi. Je trouve ça bien qu'il y ait des PNJ partout. Ça a tiré là, non? Ouais, ça tire. Et ça tire d'où? Je suis à côté de la station service, y a pas de bruit. Non, y a personne, ils sont tous morts. Ils sont morts? On peut y aller alors. Ouais, alors on peut y aller. Attends, j'y vais en éclaireur. Si t'entends et merde ma bite, c'est qu'ils sont pas morts. Je vais voir. Je crois au revoir. Non, ils sont pas morts, mais nique ta race. C'est moi. Oh, mais je viens de claquer. Caca cucu. Ah putain, il m'a claqué. Ça. Oh, tu as tiré dans mes pieds. Oui, Ross peut faire effet de jeu d'horreur aussi. Y a pas un recycleur d'ailleurs, parce que j'ai plein de trucs à recycler. Oui, y a un recycleur. Il est où le recycleur? Plein milieu de la station. Plein milieu de la station. Je vais mettre des trucs. C'est moi qui les ai fait spawn, je les ai posés arbitrairement. Donc quand le serveur est spawn, ça sera pas l'endroit où ils vont pop. Mais sur les stations, généralement, il y en a un de recycleur. Occupé. Ouais, dans le phare, en général, il y en a aussi. Ouais. Là, normalement, sur les stations, c'est à l'arrière. Oh, la petite douche là, incroyable. Ah, le jour se lève. Nickel. Non, ça a été l'autre là. Je vais pouvoir aller réparer la caravane, là, ça va être trop bien. Ça la bouffe, hop. Et je suis né dans cette caravane. Elle t'emmène à l'évier. Par contre, j'aime bien le fait qu'on ait plein de recycleurs, parce que ça aide quand même pas mal ça. Allez, viens. J'arrive. Oui, je les ai mis dans les villes pour pouvoir aider. Le truc pour refine, je l'ai pas remis, mais bon, ça c'est pas forcément important pour l'instant. Le raffineur? Ouais. C'est juste, ça permet juste de transformer le fuel en truc de basse qualité, mais. Ah, tu peux tout recycler deux fois. J'ai recyclé un truc, ça m'a donné un tuyau. Et avec ce tuyau, en fait, je l'ai re-recyclé, ça m'a donné du métal haute qualité. Donc tu vois, là, je me suis fait 800 fragments de métal, 11 métal de haute qualité. Enfin, tu vois, je commence à avoir de la corde, du. Oui, c'est pour ça que je fais spawn des PNJ dans les zones, parce que tu peux passer ta vie à loot sans jamais aller récupérer des ressources. Ok, c'est pas mal. Oui, Mono? Attends, viens. Il y a une cave, tu vas m'emmener dans ta cave. Hein. Est-ce que c'est là où on peut jouer au poker? Tu veux aller là-dedans? Ah, j'ai déjà fait ici, c'est du loot. Ah ouais? Ah! Putain, Wawa, je te déteste! Eh, hey, faut que t'arrêtes de faire ça, frère! C'est pas drôle! C'est un peu drôle. Et moi, je vais claquer. Et heureusement que t'es pas cardiaque, Alex, parce que là. Non, mais je retiens que vous êtes des enculés, quoi. Est-ce qu'on tenterait d'attaquer le port ou pas, ou c'est trop tôt? Ça dépend, est-ce que vous avez des armes à feu? Allô? Oh, mais faut qu'on retourne à la base et qu'on fasse du. Après, gourdin tire des balles, je sais pas. Après, j'ai 12 métal de haute qualité, 800 fragments de métal, enfin tu vois, je suis pas trop mal. Mais faut la recherche qui va avec. Bah, je crois que moi, en termes de recherche, je crois que je suis juste devant le fusil. Ouais, t'as des faits. Après, il faudrait farmer plus de scrap encore, quoi. Vous avez bientôt fini, monsieur Reina? Ouais, je teste des trucs. Je viens de recycler une cheminée. Tu devrais regarder le marteau de récup. Ouais, non, je l'ai jeté. Là, de toute façon, le marteau de récup, il est pas très utile vu que t'as le remove. Alors, par rapport au remove, j'ai remarqué une mécanique dessus. Il faudra faire attention, c'est qu'on peut remove seulement les murs que nous on a posés. Donc par rapport au team, je conseille qu'une seule personne construise la baraque, comme ça cette personne-là pourra remove. Parce que si tout le monde commence à construire, ça va être compliqué de modifier après. Et sinon, il faut le marteau de récup, qui se craft aussi, quoi.
Alors avec le mode no decay et surtout avec le PVE, les murs ne prennent pas de dégâts. Donc c'est-à-dire que vous pouvez taper sur les murs, vous le diminueront pas, enfin l'HP. Ah donc les attaques de base, elles vont se passer comment? On pourra pas attaquer les bases? Actuellement non. Mais c'est incroyable ma caravane là. Pour les events PVP, je vais désactiver les modes qui modifient tout ça. Donc c'est-à-dire que il y aura un PVP complet, vous pourrez vous tirer dessus. Là par exemple, vous pouvez taper sur n'importe quel joueur, il ne prendra pas de dégâts. Mais en mode PVP, je vais tout désactiver pour que. Oh non, faut pas dire ça à Mono, faut pas dire ça à Mono, il va nous utiliser en. Parce qu'on peut lancer les trucs, on a appris qu'on pouvait lancer les trucs, il va nous utiliser en cible, c'est quelle merde. Bon, on y va, on va à la guerre ou pas? Vous voulez aller où du coup? À la base ou à la guerre? Moi j'irai à côté là, à port. Ça se tente, on est 4. Allez. Non? On n'a pas de quoi faire. Ah, j'ai peut-être de quoi faire un arc si vous voulez. Attends. Merde, j'ai pas regardé. Oui, je peux faire un arc. Vous voulez un arc? Quelqu'un veut un arc? Il y a un arc, il y a un arc dans la voiture. Ah ouais, moi j'ai bien un arc moi. Il y a des arcs, vous faites des flèches, on y va. On y va, on est des fous, faut tenter. On wipe ce soir si on tente pas là. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout, tout ce qu'on a là, on le perd. Donc autant aller à la gare, à la guerre, à la gare. On va à la gare? Le train à destination de chez Monody. Je pense qu'il faut faire des flèches du coup. Oh non, chez moi c'est fermé aujourd'hui. Allô? Aujourd'hui c'est fermé, il y a pas. Aujourd'hui c'est jour du Seigneur. Non. Si. Et le dimanche. À Bamako, c'est le jour de mariage. Ah oui, arc de chasse, on a passé, je n'ai pas assez de tissu. Moi. J'en ai 78 du tissu, t'en veux? Ah bah j'irai pas non, ma foi, s'il te plaît, pour faire un petit arc. T'en veux combien? Bah j'en ai pas du tout. J'ai tout mis dans la voiture. Il t'en faut 50, je crois, c'est ça? 50, ouais, s'il te plaît. J'ai appris quel chanteur de. All Star qui est mort là, Smash Mouth. Ah non, il y a un rock ça. Oui, j'ai ah vu ouais ça. Il est mort il y a deux jours là, ouais. Rip. Ouais. Et les flèches, du coup. Les flèches du bois. Flèche haute vélocité, flèche en bois. Établi niveau 1 requis. On pourrait faire des flèches de fou furieux. Ouais, je pense que. On peut faire des trucs un peu style axe, quoi. Mono, je te pique des pièces de véhicule dans ton truc pour ramener le camion caravane là, qui est trop bien. Putain, on peut pas recycler les petites bouteilles d'eau, je vais être obligé de l'acheter par terre. Il y a une trash dans la base. Comment on fait pour mettre les flèches? Je suis con. Tu t'as pas besoin de les mettre, tu prends ton arc, tu fais clic droit, ça prépare une flèche et gauche pour tirer. Si c'est un arc à poulie, tu restes appuyé. Ok. Et l'arc de chasse, on a. Ouais, on. Ok, d'accord. Bon, on va. On est bon? On va au port? Attendez, il y a un bûcheron en face qui est en train de tout. Allez! Ouais, je fais des flèches, j'ai pas de flèches. Vas-y, Mono, on y va, on leur dit pas. On revient, on va faire des courses! Ouais, là, j'étais des cigarettes, ouais. Ils ne sont jamais revenus. Tu peux tirer. Ouais, en parlant de cigarettes, ils vont se faire fumer, surtout, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on les laissait aller avant, en fait. Attends, il y a du monde au port? Avant, il y avait personne hier. Ouais, maintenant, il y a du monde. Je vais me chercher à bouffer, moi. On peut pas manger, moi. Mais moi aussi, il faut aller manger. Ah, putain, mais moi, faut que j'aille manger aussi. Mets-toi à gauche du port, là. Et on y va à pied, en progression lente. Loin, ouais. On s'est à côté, t'as la route. J'arrive. Oh, incroyable cette caravane. Moi je voudrais que tu m'amènes la caravane où je vois à quoi ça ressemble. Ah ouais, je l'amène à la base là. Ok, ici ici vautour. Aucun visuel, on avance. Incroyable. Oh là 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 là, la dingue. Ouais, y'a personne là. Pour l'instant, tout à l'heure j'avais dit ça. Je suis arrivé au milieu du port. Et ça s'est pas bien passé. Alors je vous confirme qu'il y a des PNJ dans le port. Je crois qu'il l'avait vu déjà, ouais. Oh non, j'ai cassé ma. Progression lente.
aucun visuel. J'avance. Ok, visu. Visu. Voilà. Plein est, direction 100. 105. 5 pour moi, ça veut dire 110, 115 pour toi. Double pinge. Ouais, j'ai le visu, je les ai les deux. Ça va être compliqué, cette histoire. Il faudrait qu'on s'approche, parce qu'à l'arc... Ah oui, d'accord. Ça se passe bien, bûcheron. Mais il faut jouer des flèches. Oh non, j'ai plus de... Elle est cassée, ma... Attends, j'ai ma hache en fer, si tu veux. Je la mets dans la voiture. Comment on répare ? Quand tu le répares, c'est sur une table à la maison. Et en fait, tu perds en qualité quand tu répares. Ah ouais, ouais, non, bon, laisse tomber, ça suffira. Mais j'ai ma hache dans la voiture, si tu veux. Ah, ça tient. Mono, il parle plus, j'attends les infos. Je l'avais pas vu. Il est vivant. Ah les salauds. Ah mais il nous fume à 12 km aussi là. La portée de détection des PNJ est inférieure à la portée de la majorité des armes. J'ai rien compris. En gros, t'as moyen de le fumer avant qu'il te voie. Tout à fait. Est-ce qu'il détecte plus... Oh. Est-ce qu'il détecte plus... Ah mais putain. Merci de faire le nettoyage pour nous, Mono, en tout cas. Ok, j'ai trouvé comment qu'on vise. Ça siffle dans mon cul, là. En fait, si on prend les deux angles, on l'encule. Hein. Est-ce que Mono est toujours en vie ou il est décédé? Chut. Il est rudement silencieux, là. Moi, je l'ai touché. Non, ça fait mal à la tête, ça. Oh mais il m'a vu le con. Mais j'étais accroupi. Vous baissez, vous gagnez de la précision. Aïe, et il va falloir... ouais. Oh non, vas-y j'ai cheaté, il tire à la frame. On peut même pas le look. Salut. C'est moi ça. Il tire à la frame. Il est où? Allez là, il fait le tour. Dessus, il nous court dessus, ouais, je vois bien qu'il fait le tour. Hein. J'ai plus dit. Il est sur moi, je crois. Il y en a pas un deuxième. Il y en a qu'un. Il y a des containers jaunes là, en 20. Quelqu'un le visu dessus ou pas? Entrepôt rouge. Rien du tout, moi. Plein nord. Donc il y en a un, il est en plein milieu. On a récupéré de la vie. Je crois que Draco va dessus. Hein. Il y en a un deuxième. Je sais pas, moi j'ai rien vu. Il y en avait un juste là. Bah, il est où? Plein sud. Plein sud. Ah, il est passé, il part à gauche, il part à gauche. Mono, sur ta gauche, ça fait le tour du hangar là. Tu essaies de le contourner? Mais course, bâtard. Il est là-bas, dans la forêt là. Mais en fait, il fuit. Ah, je le vois. Je crois que je l'ai mis un peu tarif et il fuit. Il y en a un deuxième, il tire dessus, une place. Ah, oh. Ah. Ouf. Aïe, mais il vient ce con. J'en ai tué un. Il y en a un qui est mort. Ouais, moi j'ai une arme, on est bon. Moi j'ai plus de vie là, je peux voir. Hop là, impeccable, j'ai 12 balles et une tenue hazmat. Ça, je pensais qu'il donnait rien. Il donne au moins des balles. 12 munitions, oui, de 5,56. Tu ne drops pas des armes sur des PNJ, mais t'as du drop, oui, tout à fait. Une entrée qui permet au courant de circuler pendant qu'un joueur se tient dessus. Bloc de pression, ok. Par contre, mon arc... Sinon, faut faire un petit feu, là. Un petit feu de camp, ça aurait augmenté la vie. Mon arc, oui. Putain, le combat, j'ai niqué la moitié de mon arc. Ouf. C'est normal, le temps que tu te fasses au système de visée. Mais il n'est pas très... Super saine. Il est pas très compliqué le système de visée, ça va encore. Mais j'ai tiré, je sais pas, 6 flèches. 6 flèches, la moitié d'un arc, ça fait mal au cul. Hein. Sûr qu'il était pas déjà à moitié abîmé?
Non, non, je crois pas. Ah, peut-être, je sais plus. Il y en avait un deuxième. Tu m'as pas dit qu'il y avait deux pinges à la base ? Si, si, si. Au sud. Côté sud, il y en a un deuxième. Ah, je l'ai. Allez, hop là, one shot. Let's go, je suis chaud là. Balle de pompe. Allez hop, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. Je vais arrêter de rager, on est parti. Tu peux ramasser tes flèches sur les victimes aussi que tu fais. Ouais ouais, il me connaît, entraînement sniper. Ouais ouais, je vais encore le retrouver en haut des grues là. Toi-même, tu sais. Non, je suis pas en haut d'une grue. Mais oui, j'ai tout regardé. Et la raffinerie dans tout ça, je sais pas s'il y en a une. La raffinerie, non, n'a pas spawn. C'est un item craftable qui peut faire gagner du temps. Mais si les joueurs veulent que je le réimplémente avant le wipe ce soir, je peux le faire. Mais dans tous les cas, après le wipe, elles seront remises sur le. Ouais, sur bon, la map. On découvrira ça après le wipe. Voilà, c'est. La wipe, c'est. Enfin, la raffinerie, c'est pas un objet obligatoire pour l'instant. Tiens, il y a un autre bateau. Échoué, mais il y a un autre bateau. Hop, du coup, je peux faire des fusils. Faudrait que je rentre pour voir où j'en suis, moi, dans mon arme. Mais c'est à peu près ça. Faudrait qu'on aille jusqu'au fusil. Et après, une fois que t'es au fusil, tu commences à taper. En fait, tu vois, là, tout ce que ouais. Tu récoltes, tu le recycles. Avec ce que tu recycles, ça te permet de crafter des plus gros trucs. Et ça évite non, d'avoir... En fait, ta base, à la base, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a tes établis, un coffre à la con, tu recycles tout et t'avances. En soi, je peux faire des fusils pour tout le monde. Il y a des mires sur les fusils ou pas ? Oh non, jamais je récupère. Alors, mon corps, j'ai envie de canner. Celui-là, de base, il est très très léger. Attends, je le fabrique et je vais te dire. En fait, il y avait un trou et je me suis dit, il y a des escaliers, je descends et à un moment, en fait, c'était une cage d'escalier sans ascenseur, quoi. Enfin, une cage d'ascenseur sans ascenseur, donc je suis au fond. Moi, j'ai un corps d'arme automatique. Ouais, il y a une. Il y a un triangle au bout du fusil pour viser. Après, c'était un truc de descente. En fait, c'est juste long, mais tu peux y arriver. Ah, j'en ai un. Ouais, non. Je suis dans le même genre de truc là. Si tu tombes dans la cage d'escalier. Poudre à canon. Charbon de bois et soufre, ok. Faut du soufre. Moi, j'ai repop à mon sac de couchage. Hein. Je vais tomber nez à nez avec un pige, ma gueule. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Faut que j'aille voir si j'ai ce que j'ai à manger à la maison. Je vais mettre dans un coin en espérant que je dépose. Oh merci! Oh merci, au revoir! T'as un bouton, Alex, c'est un ascenseur. Quoi? On est sérieux, je pouvais prendre l'ascenseur? Oui, c'est un ascenseur pour descendre les cages de métro. Je vous déconseille d'aller dans les métros. Ah oui, vaut mieux pas, ouais. Putain, il faut que je fasse. C'est qui le connard dans le métro actuellement? C'est Alex? Ah bah voilà, elle est là. Eh hey, salut. Je t'ai trouvé, t'es dans le métro toi aussi. Mais bonjour, ouais. T'es tombé là, par contre, en fait. Au Walou, ouais, en fait, je suis tombé tout en haut. Mal réglé. Ouais. C'est que du coup, les fours s'éteignent. Ah, du coup, on perd des trucs quand même quand on meurt. Ah non, c'est là le dedans. Okay. Ah, ça c'est le plugin des... Ouais. Des lampes. Ah ouais, non, j'ai quand même perdu ma hache, du coup. Oh j'avais posé dans la voiture, non. Cours, Raco, cours. C'est pas ça. Je peux pas courir, je suis en train de me loot. Ah. Ah. Il me voit pas. Non, je te défends. Si ça passe la il porte. Oh mais putain, Wawa, t'es un connard. Mais il est où? Il les a tués, il les a tués. Ok, merci. Du coup, on perd du stuff quand on meurt, ok. Tu lâches ce que tu avais en main. Ouais, bah c'est ça, donc c'est ma hache en fer que j'ai perdu, quoi. Normalement, elle doit être à l'endroit où t'es morte. Ah ouais? Attends. Après, c'est... ouais, elle est par terre. Ah ouais, bah je suis con, du coup. Ah, tu peux faire des seringues médicales, c'est bien ça.
Oui, t'as trois types de soins. T'as les bandages qui permettent d'arrêter de saigner et de regagner un petit peu de PV. T'as les seringues qui permettent de te donner immédiatement 45 HP. Et t'as les trousses de soins qui te redonnent du soin en continu et qui t'arrêtent les saignements. Bon, on remonte, hein. Trop dangereux. Ouais, j'arrive. Ouais, c'est Bulle hier, elle était dans les métros, elle s'est fait fumer à la K47. Clou, moteur et propane, tu peux jeter. Ah non, en fait. Comment t'actives le... Oh putain, je peux pas l'activer parce qu'il est là-haut, c'est ça? C'est quoi l'ascenseur? Non, c'est l'ascenseur, c'est comme... c'est une instance du serveur, comme le recycleur ou la raffinerie, donc elle n'a pas spawn. Ah donc, mais elle spawnera la prochaine fois, ok. Tout à fait. Non, clou, moteur, propane, je vais garder parce que ça sert notamment à faire des vérificateurs d'eau, ça permet... tu peux les recycler, faire du métal. Faut garder ça, faut recycler direct. Ah, par contre, dans le jeu, t'as intérêt, t'es en mode groupe d'intervention spéciale. Hein. Quand tu passes un pan, tu vérifies ce que ça tire direct, quoi. Dans le train, tu peux trouver des armes. Ouais, puis je peux trouver des gens avec des AK-47 aussi, ouais. Y'a des armes dans les trucs en bas? Bah, c'est ce qu'on me dit. C'est ça, tu peux trouver les armes en bas, Wawa? Je ne dirai rien. Mais moi, je suis à la masse. Ça veut dire oui, viens, on y va dans les tunnels. Faut juste que je me fasse des flèches et on y va si tu veux, mais... Si vous voulez, Alec, je peux vous préparer un petit truc. Un petit équipement pour aller vous balader dans les métros. Ah oui! Bah, ça se tente, puisque de toute façon, ça wipe cette nuit. Ah oui! Est-ce qu'on... Bah, c'est pour ça que... On va pas se spoil le endgame, tu vois. C'est pour ça que je vous raise, c'est pour ça que je vous TP, c'est parce qu'il y a pas un réel impact sur le gameplay. Est-ce qu'on va pas se spoil? Oui, on partit, je pense. Oui. Après, si vous voulez vous tenter... C'est grave, y'a pas d'histoire dans le jeu. Moi, je m'envoie les couilles. Du cul pour y aller, hein. Ouais, moi aussi. Moi, je m'en tape, hein. Au pire des cas, on se met dans un autre canal si Mono, il veut pas être spoil, mais... Ah oui, totalement. Ah, je vais pas rester solo non plus. Bah, après, si tu veux être tout seul, t'es tout seul. Tu vas pas nous, être solo. Nous, on veut bien que tu viennes avec nous. Ouais. Ah oui, d'accord. Il faut se mettre... Tiens. C'est pas radioactif en dessous, hein. Ouais, j'ai rien à manger, mais j'ai pas envie de commander, ça me saoule. Tiens, je te mets une tenue hazmat, c'est cadeau. Merci bien. C'est tout. Dans ton cul, attends, je vais me vider avant, Alex. Ça régale. Non, on est au bord de l'eau, en fait. Ça régale. Attends, j'ai vidé dans les voitures avant, Alex, comme ça on pourra vraiment loot tout ce qu'on veut. Je suis plein de fous. Regarde, Mono, on est là. On va aux voitures et première tourne en métro. Oh puis on ramène la voiture là. Ramenez la voiture là, hein, c'est pas con. Ouais, le but c'est de de voir un peu ce qu'on peut faire après vu qu'il y a wipe cette nuit. Bah oui. Mais demain moi je pense que c'est ça, je fais pas de base tout de suite, hein, En vrai, à chaque fois que tu construis un machin, tu poses tes tables pour essayer de commencer à apprendre des trucs. Et je pense que tu passes déjà quelques heures juste à aller de ville en ville avec des scraps pour juste avancer, quoi. Bah au tout début, quand j'ai galéré à te retrouver, en vrai, j'ai vraiment fait juste ça et j'ai farm de fou, hein. Vous n'êtes pas équipé pour aller en bas? Si, Wawa, il va nous faire pop un truc pour tester. Ne t'inquiétez pas. Je suis pas inquiet, moi. L'idée, c'est que de toute façon, c'était deux jours pour découvrir un peu et puis après, on commence l'aventure. Vu que de toute façon, il y a un wipe obligatoire ce soir à 20h ou à 19h ou à 18h des serveurs Rust. Wipe à 20h, après du coup, faut qu'on fasse le wipe ici, qu'on refasse la map. Donc ça sera pas dispo à 20h. Hein. Il est full du cul, ce non, truc. Non, non, le but c'est de relancer demain matin. Faut te garer où? Là, je vois si tu me vois, là où je suis. Attends. Là où t'as la truc métro. Ouais, je regardais la map là sur la gauche. Oh, putain, mais voilà le poteau en plastique à la con. Hein. Bonsoir. Mais le jeu a l'air chouette quand même. Hein. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est là. Ah oui, d'accord. Ah oui, putain, il est solide. Oh, le con là. Oh la vache.
Ouais, j'ai tout apposé encore moi. Ah oui, mais on a plus de place dans la voiture. On a loot de fou en vrai. Hein. Mais tu te balades à pied sur le bord des routes quand tu viens de spawn, tu loot des trucs de fou. Hein. Moi j'avais de quoi faire deux bagnoles au début hein, quand j'ai spawn. Hein. Je suis prêt. Ouais, je suis prêt. J'ai un arc à boulis qui est aux trois quarts et des flèches. Le mieux, c'est que vous rentriez à la base et que vous vidiez complètement votre inventaire. Ok, il va nous faire ça et il okay. va nous TP. Allez, cassons-nous, on va à la base. Il va nous TP après. Quoi ? En gros, on va à la base, on pose tout notre inventaire, il va nous TP pour visiter en bas et il va nous filer des trucs. On a même pas de quoi ranger tout ce qu'on a. Si, on les a dans les voitures. Comme ça, tu vas pouvoir voir ma caravane. Parce que t'es où ? À la maison ? Je suis devant la base. Oh, là, moi, putain ! J'ai fabriqué les fusils, là. En plus, je suis fan des caravanes. C'est une caravane ou un camping-car, attention ? C'est un camion sur lequel on a foutu une caravane. On est d'accord qu'il y a ça, ok. Il me le faut absolument, c'est non négociable. Je voudrais en parler. Il me faut... Et tu l'as trouvé sur le bord d'une route, tu l'as réparé, fin de chantier ? Ah ben, il y en a un autre juste derrière, entre le village des pêcheurs et la base. Il me faut tellement de ça. Et t'as de quoi le réparer avec... Par la droite. Avec ce que Modo a récupéré. Alors non, c'est en fait, on va galérer avec les arbres, les... Tu le récupères avec quoi ? Bah en gros, tu le répares avec le marteau, du métal et du métal de haute qualité. Et Mono a ramené pas mal de pièces dans son coffre, donc tu mets les pièces pour le réparer. Ok, voilà. J'ai crafté. Mais je t'avoue que je sais pas trop. Après, le jeu te demande en fait de... Je suis même pas sûr que t'as intérêt dans une équipe d'avoir une énorme base à tout le monde. Je pense qu'il faut un peu chacun. Si, clairement, pour le côté PVP du jeu, c'est bien. Ah oui, mais au pire, tu fais un petit village, tu mets des pourtours avec des mitraillettes et tout le bordel, quoi. Ouais. Bah, en général, ce que tu vas finir par avoir, c'est des gros murs d'enceinte en bois, puis en pierre, enfin, tu vas pouvoir améliorer ça. Et après, il faut faire des bases complexes avec. Enfin, voilà. Et on va dire que la priorité quand tu fais une base, avant tout, c'est de protéger ton armoire. Parce que si on pète ton armoire, c'est fini. Ah oui, non, c'est pas le fait de péter l'armoire qui est fini. Tu pensais qu'on passait, Mono ? On s'autorise sur ton armoire. Pas vu. Parce qu'on passait pas. Eh mec, j'arrête pas d'éternuer toutes les 10 secondes là. Mais la rivière, là. Ouais. Moi, je t'avoue que je suis tellement pris par le bide. Je suis en mode pas bien. J'aime bien, c'est le stream de la maladie là. Faut se reposer, oui. Avec Mono, on a la chiasse. Oh, j'ai pas la chiasse, hein. Mais putain, on arrive plus à respirer. Hein. Ah, Mono, il s'est mis un spray de 2020 dans le pif. Hein. Ça va ! Ça fait du bien. Non, les médicaments qui sont. Ils sont plus bons, on les met pas, on les prend pas. Bah, ils sont juste moins efficaces. En PVP, vaut mieux faire des forts vaubans. Ouais, en gros, tu blindes des trucs blindax, quoi. En gros, c'est la même technique que sur Arc, en fait. C'est une espèce de cube fortifié, quoi. Un cube, c'est pas du tout optimal. T'as des types de construction, des patterns à respecter qui vont faire vous que ça, véhicule l'attaquant ouais. va devoir utiliser un maximum de tellement ça. T'as vu ? Elle est trop bien, hein ? C'est un mélange entre une caravane et un camping-car. C'est un camping, ouais, c'est un camping-van. C'est un camia-van, on m'a dit, ouais. Et tu, à l'intérieur, t'as un petit barbecue et tout. Et tu peux rentrer dedans ? Ouais, attends. Vas-y, ouvre, parce que je peux pas. Attends. Parce que j'ai... comment on fait ça ? Le code 4815. Ce sera plus simple. Donc du coup t'as les deux places passagers et à l'arrière. Mais non... Et je pense que tu peux monter bien à 6 à l'intérieur, ouais. Je pense que tu peux monter à 6 là-dedans, hein. Ouais. Ah merde. Et t'as un stockage, donc là t'as un stockage... Il y a un stockage à l'intérieur, ouais. À côté du barbecue. En dessous du barbecue, t'as un petit stockage, ouais. Barbecue. Ah, tu peux même faire un barbecue, mais c'est une dinguerie, oui, ça. C'est une vraie base mobile. C'est une vraie base mobile. T'as un barbecue, tu peux cuire dedans, tu peux faire trop de trucs. Et t'as un lit, ce qui fait que si tu pars en balade que tu meurs, tu peux respawn à l'intérieur. What the fuck ? Bonjour, madame. Et bon, on est pas trop bien ? Regarde. Ah, bah, je pense que oui, c'est 6. Regarde, on en est déjà 3 à l'arrière. Eh ben, prenez le matériel et je vous amène à l'autre pour la réparer.
Bah après, disons, ça va être ce soir. Hein, donc, Alors moi, je vais tout vider dans un coffre. Ouais, pour qu'on vide tout, pour aller dans, dans le métro, là. Comme ça, vous avez ça, vous pouvez aller au métro, vous pouvez le mettre à côté du métro. Si vous mourrez, vous respawnez à l'intérieur. Enfin, bon, y a pas mal d'avantages. Et du coup, je peux faire ça, si vous voulez. On vide tout, hein, pas de bouffe, rien. Vous pouvez prendre de la bouffe, si vous voulez, mais il y aura pas d'intérêt. Je peux vous fabriquer des fusils comme ça, si vous voulez. Oui, d'accord. Rien que ça. Des fusils comment? Comme ça. Ah oui, ça commence à être pas mal, ça. Ça coûte pas cher à construire, et les munitions, il faut... Pour faire les munitions, ça, il faut du soufre. L'épée, un arc à poulie. En vrai, ça te coûte quoi? Ça te coûte 75, 150, 170, 245, 245... Ah, 245, t'as l'arc à poulie, couperet. Le premier fusil, il te faut... Mono, le premier fusil, qui est un fusil bricolé à partir d'un tuyau, 470 scrap. Oh putain, le tarot. Fusil de chasse à double canon. Ouais. Alors, je te parle que en apprentissage. Hein. 595 scrap. Et après, t'es sur du piège fusil. Le silencieux. Ah, c'est pas mal ça, les silencieux. Ouais. Sachant que sur ce fusil que j'ai construit, la fusil bricolée à partir d'un tuyau, tu peux mettre des attachements. Donc, tu peux mettre une lampe torche, par exemple, si t'en trouves une quelque part. Et après, tu vois. Et écoute, pas beaucoup à construire. Après, t'as les. De bois et silencieux. 75 de métal. Silencieux, c'est 795 scrap pour l'apprendre. La lampe torche, c'est 620 pour l'apprendre. Mais tu fais comment pour la recharger? La lampe torche, elle se recharge pas, elle est limitée. Unique dans mon cul. Elle est immuable. Grenade, boîte de haricots. Et de la tourelle lance-flamme, ok, tu peux faire un truc un peu cool. Eh non, en vrai, moi, je vais vous abandonner là. Ah, il est pas bien. Va te poser, tu vois. Et bah, bisous. Là, ça fait 30 minutes, là je suis de pire en pire. Et bah, va faire un dodo, ça fera du bien. Ouais, prends soin de toi. Ouais, je vais faire ça. Allez, des bisous. Moi, je suis prêt, voilà. Je suis tout nu. Ça tombe bien. J'ai même pas de bouffe. Ah oui, tu vas vraiment à poil sans habiller, rien, quoi. Il m'a dit, faut aller à poil, j'y vais à poil. Ah, mais allez-y à poil, hein. Ah ouais, d'accord. C'est qu'il a prévu des coffres avec des trucs dedans. Je connais. Non, plus. Je me blinde d'eau et tout. Il y a un plugin qui permet de faire des trucs. Les kits? Tout à fait. Bon, j'ai pas pris à bouffer, moi. Faut que je prenne à bouffer? Prenez à bouffer quand même. Oui, prenez à bouffer quand même. Ça sera pas forcément obligatoire, mais ça dépend combien de temps vous allez passer dans les métros. Moi, j'y vais pas. Dans le métro, je vais continuer à fouiller. Du coup, il y a que Alex et Draco? Bah, Alan, je pense, non? Ouais. Alan, tu veux venir aussi? Ouais, let's go. Ouais, je vais te TP. Ah, y'a plus d'eau. À la base, comme ça, tu peux te vider. Tu gardes juste un peu de bouffe. Et sinon, tu vires tout. Tout ce que t'as dans ton inventaire, y compris les armures, etc. J'ai juste à boire, à manger. Hein. Oh oui, oh, ça régale ça. Merde. Alors, Alan. 2, 4, 6. Voilà. Ah, mais t'es déjà là? Ah, d'accord. Je vais vous TP. Bah, du coup, vous pouvez déjà faire slash kit et puis prendre le kit. Ok. Et vous prenez le kit Enjoy. Tout à fait. Voilà, déjà, il y a des armes dedans. Oh ah oui, bah, ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, oui. Ah, je vois plus rien avec mon casque sur la tête. Alors, par contre, il nous a mis je sais pas combien de... On a 10 000 balles de chaque. C'est quoi les pochettes violettes? Grand viseur simple artisanal. Oh, trop bien. Et la lampe torche, elle coûte combien? Ah, oh, bah je peux la fabriquer aussi. Oh, trop bien. Qu'est-ce que je veux dire? Ah merde, putain, ça peut pas... qu'est-ce que je veux dire? Là, plus de santé... Oh, je vois rien. J'en bois une, moi. Allez, hop. Ah oui, on voit pas grand-chose. Alors, si vous voulez changer le type de munitions, là, je vous ai mis les 4 types de munitions qui sont disponibles. Vous restez appuyé sur R en rechargeant votre arme et vous pouvez choisir. Il y a des particularités à chaque arme. À chaque munition. Les celles de basique, normales, les incendiaires qui tirent du coup des balles qui font mettre le feu, les explosives ou les HV. Les HV, les balles vont plus vite, elles vont plus loin mais font moins de dégâts.
Les explosifs font moins de dégâts, mais font des dégâts de zone. Les incendiaires donnent un petit dot de feu. Et comment les équipes? Je suis désolé, ouais. Tu restes appuyé sur R. Ok. En recharge en temps. Ah, ok, d'accord. Ok. Okay. Comment on vise? Comment on utilise la... Ouais, comment on utilise la lunette du snipe? Avec le casque que vous avez, vous pouvez pas viser. Ah. Faut enlever le casque. Tout à fait. Oh là là là, trop bien. J'irai... Hop, lunette de visée. Moi, je peux pas viser non plus là. Moi non plus, je peux pas viser, ouais. Ouais, moi non plus. Alors, c'est l'armure qui fait ça. Ah, ta 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 ta. Ouais, c'est l'armure. Ouais, c'est l'armure qui fait ça. Tu leur as filé quoi comme armure? Métal. La plate. Ah ouais, elle empêche de viser au snipe? Avec tout. De tout. Ah ouais? Ouais. De la munition incendiaire, ça doit être chouette. Le truc radiation, je peux viser là. Oui, avec le truc radiation, on peut viser. Moi, je vois Alex en slibar. Hein. Moi, je suis protégé de que dalle par contre. Mais, slibar bleu là. Attendez. Tac. Les mecs ont pas le temps, ils sont déjà partis et tout. Bah oui, il fait attendez, ils sont un poil à côté. Faut écoute. C'est quoi? C'est les piles anti-radiation, ça, ça servira. C'est irradié dans le métro ou pas? Bah moi j'ai mis la tenue parce qu'avec on peut viser et pas avec l'armure quoi, mais sinon en soi. Juste pour le plaisir. Oh. Donc ça c'est des armes endgame quoi. On va jouer à Call of Duty. Ça c'est les deux plus grosses armes du jeu. C'est pas par là. Ah hein. Non, c'est le pantalon en tôle lourde que tu leur as filé. Ouais. C'est vous qui avez tiré ou non. Ça tient? Parce que moi ça m'avait l'air de venir de derrière. Ah bon. Pour moi ça vient de l'autre côté, Alexandre. Bah ouais, mais c'est par là normalement qu'on va dans les égouts. Hein. Tu es parti de quel côté? De l'autre côté, il n'y a pas la porte. Du continue le chemin. Enfin le tunnel en gros quoi. À point, j'ai même pas. Bah là, c'est l'arrivée avec l'ascenseur, non? Alors, attendez. Alors. Vous prenez. Le glace! Vous prenez un de chaque et vous, ah ouais. Vous l'équipez. À la place de. Tiens, je te donne le reste. Ouais, attends, tiens, faut que je te donne ça, tiens. Alors, attends, comment je fais? Tac, tout, prends tac, tout et tu t'équipes. Ah bon, je prends tout? Bah non, parce qu'en fait, il y a des plastrons aussi avec. Il y a. Un casque, un plastron, un truc à mettre autour de la taille, des chaussures. Hop. Ah, j'ai pas de pantalon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Attends, ça c'est pour Alan. Bah tu te sers au pire, et ça fait chacun. Non, tac. Tac, tiens, Alan. Et là on continue de descendre ou pas? J'ai oui. Pas de pantalon en double ou pas, Alan? Et le casque? Non, y'a pas de pantalon. Non. Mais j'ai rien, moi j'ai juste le plastron et le tour de taille. Ah, t'as pas le casque? Non. Et les gants que je t'ai laissé par terre? Ah oui, les gants, oui. Mais j'ai pas de casque. Ouais, bon. De toute façon, au pire, y'aura Wawa, il va nous revive anyway. Et de toute façon, tout ce qu'il y a dans l'inventaire, c'est ce qu'il nous a donné donc. Oh putain! Derrière, là-bas au fond. Oh putain, y'a du monde. Il est où ce con? Hop, allez. Moins 20. Nickel. Oh les one shot avec. Oh le snipe est trop bien. Alors le snipe il est incroyable hein. L96 oui.
Par contre, je sais pas si là-bas c'était un pinch ou un joueur que j'ai couché. Hop, moins 2. Il n'y a pas de PVP. Ok, non, c'est un pinch. Rigole zéro, en vrai. Par contre, t'es content d'avoir des. T'es content d'avoir des trucs de soins. Hein. Couché. Tu les loot les mecs là ouais. Oui. Corne, machin, ok. Il bouge encore là. Lampe en boîte de thon. Bah écoute, moi je prends. Hein. C'est Wawa là, je viens de voir passer en tirant. Non, je me suis fait tirer dessus, c'est pas pareil. Ça rafale au fond d'eau. Ouais, il y en a un à gauche. Tu l'as eu ou pas? Non. Je l'ai, je le vois. Ah, trop lente. Mais en fait, il y a un recul de fou sur la foule mitrailleuse là. Sur tous. Oui. Sur tous, ça c'est chouette. Il y en a un encore. Deux. T'as un vrai feeling de puissance avec les armes que tu utilises. Il y a du monde là. Deux en moins. Le troisième, ok. Attends, je vais essayer de le chercher au snipe. Ah, oui. Ça serait bien d'avoir des balles dedans, ouais. Mort. Nickel. Au fond encore, c'est toi, Wawa? Oui, c'est moi. Ok. C'est un recul de fou avec, hein. Oh putain! Je pars du bas, hein. Je vise style à hauteur d'homme, là. C'est une arme avec beaucoup de recul, faut apprendre à la contrôler. T'as des mitraillettes entre les deux, style fusil d'assaut ou quoi? Bien sûr. Ah, je préférais ça, moi. Là, c'est les deux armes les plus endgame possibles. Ouais, mais c'est pas parce que c'est les armes les plus endgame que c'est les meilleures. Exactement. Tu peux très bien faire le taf avec des armes T1. Les armes que vous venez de débloquer, il y en a certaines qui peuvent être faire beaucoup beaucoup de dégâts. Très belle guitare. Je suis le menestrelle, je suis là pour vous amuser pendant que vous touillez des gens. Un interrupteur. Seigneur Lalanne, venez là, je vais vous amuser. Alan il est beau, Alan il est tout bien. Et madame, passez votre tour, vous attendez, je suis les bouffons d'Alan. Allons-y, je vais vous mettre de la gaieté pendant que vous touillez. Ils vont tuer des gens, Pendant une guerre, il y en a un qui fait de la musique comme ça. Ils n'ont pas des trompettes dans le jeu. Si. Il y a beaucoup d'instruments de musique. Ça pète les barils là. Ah, il y en a un qui a spawn là. Ah non, putain. Ah, c'est Wawa. Ouais. J'ai comme envie d'activer un peu le PVP, faire un V3. Je vous avoue, ça me tente. Où sont les méchants? C'est fini, vous avez clean la zone là. Bah je comprends que Cambule est là avec son caillou, est-ce qu'elle a dû se prendre? Bah. Alors normalement dans les zones comme ça, il y a aussi des trucs à activer mais qui n'ont pas spawn avec le... Il est où le train là? On peut pas prendre le train. Si vous en avez Tu peux trouver des wagons à droite à gauche, ouais. Il est où? Il est au bout là-bas? Il est où? Non, celui-là c'est un faux. Ah si, non, des deux côtés vous en avez un. À droite et à gauche. Dans les trucs, sur la principale? Non, là tu passes à gauche et là-bas t'en as un au bout. Je voudrais qu'on se balade avec un train pour tester quoi. Si, trop bien, ouais. trop bien, quand tu prends les rails et tout là. Tu peux faire une base sur un train? Oui. Mal. Ah ouais? Sur lesquels de wagons? J'ai pas réussi hier. Je sais que sur les wagons rouges, c'est des wagons de placement. Normalement, tu devrais pouvoir poser dedans. Ben, j'ai pas réussi hier. Alors peut-être que c'est... Oh, tchou-tchou. C'est pas lié à un plugin, donc si tu peux pas, c'est que ça a été enlevé. Par contre, c'est une place, c'est une personne. Ah, tu dois oui, mais ils peuvent monter dessus et rester à côté. Comment t'accélères et tout?
Bah, il faut mettre du carburant. Ouais, il faut mettre du combustible, t'as un stockage à combustible derrière. Ah putain. Combustible, s'il vous plaît. Oui, deux secondes. Je suis en train d'en chercher. Un, deux. Oui, c'est là que le... Oui, c'est là que le... Karaté bagarre. Vas-y, je t'y bag le combustible. Karaté bagarre, dans ta gueule. J'ai juste, j'ai... c'est là que le depuis. Voilà, je... Ah, le pire, c'est karaté bagarre, je vais prendre 4 jours d'HLM. Peut-être. Les méchants sont revenus ? Ouais, on va les trouver en train. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du TGV 903 à destination du karaté bagarre. Merci de garder les pieds et les mains, mais il est exceptionnel ce jeu. À l'intérieur. Et donc là, on peut ça faire va vite tout le tour de la map ou pas ? De la map, tout à fait. What the fuck ? Donc tu peux décider d'habiter qu'en souterrain, quoi. C'est un peu risqué vu le nom de PNJ, mais oui, tout à fait. Ben, en soi, tu peux très bien te faire. Tu peux très bien te faire une base dans une grotte aussi. Alors, pour information, tu peux mettre low, comme ça, medium, en vitesse, high, ok. Tu peux passer à zéro, donc là il est en roue libre. Freiner un peu. Super vitesse. Freiner medium. Ah, c'est le reverse. Reculer. Ok. On roule pas, je suis sur le passage. On va arriver sur du monde là, pleine balle. Super. Le coup. Down, couché. Y'a un truc devant, y'a un truc devant. Oh putain de merde. C'est passé. Oh, je lui ai mis une tête. Ah, oh, je l'ai pas eu lui par contre. Oh y'a 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 y'a. Oh y'a y'a, je vais gagner. C'est bon? Oh, je me pique. Oh, ouais, pique-toi. Ouais, oh. Hop. Dans ton cul, là. Et tu sais ce que je peux faire? Regarde. Salut. Attention. Ah, c'est le train de l'amour. Aïe aïe aïe. C'est le train du karaté bagarre. Karaté bagarre. Oh, je l'ai t-bag là. Je peux ralentir le train, bougez pas. Si vous voulez avoir plus le temps. Voilà. Ça c'est un train qui va tout doux pour péter des gueules. Il nous en manque pas? Ah si, il est là-haut, Alan. Je me disais bien aussi. Ça c'est le genre de truc qu'on aime. Est-ce qu'on peut pas mettre deux trains lancés à pleine vitesse en event PVP et les mecs ils doivent se foutre sur la gueule au snipe? Si. Droit devant. Je sais pas s'il y a moyen de spawn l'entité train. Mais s'il y a moyen, on peut pas sur les deux rails l'un à côté de l'autre et puis Ça arrive vénère de... Coucher. Il y en a un caché derrière les caisses à gauche. Mais il est plus caché. Il a mangé une tête. Il y en a un qui court au milieu des rails. Il est couché. Dodo. J'ai sens. Bonjour. Ouh, je pense qu'il a pris lui. Ça pète ça? Tu peux pas changer là où il va le train? Non. Tu peux juste changer de voie quand tu vois qu'il y a un aiguillage avec gauche et droite. Avec Q et D. Bon, bon, ah bah je peux aiguiller. Oui, tu peux aiguiller. Ah oui, je pouvais changer de voie, je croyais. Oh putain, oh putain, oh putain! Oh Bagdad! J'ai pris Bagdad! Bon là. Il y a
là, si on regarde la map, on s'est bien baladé. Ah, mais tu vois la map du train où il va? Mais lol, donc prochain aiguillage à gauche, je peux aller, je vais direction station d'épuration. Oh, c'est incroyable! Vous êtes souterrain là ou au-dessus? Souterrain. On est souterrain. Ok, d'accord. Parce qu'après il peut aller au-dessus le train? Ah oui, il y a un train au-dessus, ouais. T'as un train au-dessus, c'est pas le même système, hein. C'est un autre train, système de train au-dessus. Mais non. Donc là je prends aiguillage gauche, regardez. Oh là là! Mais c'est terminé, je passe ma vie. Moi je vais prendre celui du dessus par contre, hein. Ça sera plus jovial que. Bon, poète poète! Celui du dessus est moins complexe et peut-être moins intéressant. Mais quand même très plaisant. Celui d'en dessous là, tu vois, c'est plus un moyen de te déplacer. Mais ça veut dire qu'en fait, j'ai tout intérêt de créer ma maison pas très loin d'une entrée, d'y laisser le train et de l'utiliser quand je vais aller farmer un endroit. C'est pas mal, ouais. C'est tout à fait possible. Est-ce que tu as mis des PMG à la configuration? Oh putain, alors là par contre. Mesdames et messieurs, bienvenue à la station d'épuration. 12 secondes d'arrêt, on repart. Oh, y a de la radiation à la station d'épuration. Le train repart. Pensez à monter dedans avant d'être oublié. Non! Prochain arrêt, base de recherche. Arctique. Tu veux pas t'amuser après, Walou, vu que tu les as armés, alors faire un petit. Tu le mets dans un endroit un petit peu protégé et un petit spawn d'hélico? Y a moyen. Mais là, ce que j'ai envie de voir surtout, c'est. Attends, je vais aller voir la main. Oh, la lumière ici, par contre? Vous voulez pas, je vous abandonne. Mais le jeu, il est hyper complet en fait. Ah, le jeu est très complet. Et je suis content que tu nous aies montré parce que ça donne envie d'y aller. Ça donne envie de. Tu vois? Moi, ça me. C'est pas grave le spoil en fait. Ça donne envie de faire. Prochain arrêt, Châtelet-Léal. Va vers la gauche. C'est prévu. Bah, faut que je me soigne le cul, moi. Et la mise à jour de ce soir, elle va rajouter des trucs trop bien. Ah ouais, ça rajoute quoi? Ça rajoute. Des... Attends, j'entends pas. Attends. Oh, j'ai un point de vie. Ah oh, bah, je meurs. Je suis mort. Bah, fallait se soigner, monsieur Rexo. Oui, mais c'est avec ça, mais en haut là, je suis un peu. Oh, je vois rien là-bas. Ça rajoute quoi? Donc des hélicos de combat que toi tu peux conduire. Quoi? Des parachutes. Deux secondes Alan, hein, je... Sachant que à l'heure actuelle sur la map tu peux trouver des mini hélicos une ou deux places et Donc là on va pouvoir avoir des hélicos de combat. Ça va partir en sucrette direct quoi. Oh, mais ça sera... oh j'ai trouvé un minigun. Non c'est un corps, merde. Tellement complexe à avoir que... Alex, bouge pas. Oh une épée. Wow. Sac à merde! Oulala, là là. Il est où le corps d'Alan? Là. En arrière, peut-être. Sur le train, j'étais. Est-ce qu'il est encore sur le train ou pas? Je le vois pas sur le train, moi. Ah, il est là. J'ai pas avancé de beaucoup, hein. C'est juste que sinon, on voyait pas. Tac. T'as respawn, Alan? Ah oui, la grosse mallette là. N'oublie pas ta M249 qui est tombée, du coup. La lumière, c'est le froid. Ah, ok. Ah oui, trop froid, oui, j'avais pas vu le chat. Il est où? Il est à l'arrière ou pas? Parce que je vois pas mon arrière. Oui, il est là, il est derrière, ouais. Il est sur le train? Il est un peu à côté des rails, ouais. C'est pour ça que tu peux faire le truc, là. Là, tu peux t'arrêter. Mais c'est... Alors, Alex, le point où tu dois aller, c'est le site de lancement. Site de lancement, ok, c'est reçu. J'attends que tout le monde soit dessus et au site de lancement. Je fais un droit, oui, tout droit, un peu froid, droite, oui. Droite. Moins 26, oh la vache. Moins 28.
Ah mais je perds de la vie. Vous savez, faut pas qu'on reste là. Le froid, oui, moins 37. C'est là que le... Ah non, moi j'ai... Là, oui, non, parce que moi je suis mouillé, c'est pour ça. Ah oui, j'ai perdu le flingue que j'avais... Putain, mais je vois rien, par contre. Il est là. Il est juste là, là. Je peux reculer pour te mettre de la lumière, mais faut pas que tu sois sur les rails, sinon mon cousin... Tiens, la nana. Bisous, hein. Je vois pas. Il est là. Salut mon pote, comme on dit. Ah ouais. Mon pote à la compote. Merci. Pas de soucis. T'es monté sur le train ? Ouais, il est dessus. C'est bon. Chez. Donc en fait, t'as un système de métro sur toute la map. Si vous faites G, vous allez la voir hein, pour comprendre ce que je fais depuis tout à l'heure en fait avec les aiguillages, mais en fait, t'as tout intérêt d'habiter pas loin des toutes les stations, ça veut dire qu'on peut y rentrer même au milieu de la pampa. Oui. OK. Donc t'as tout intérêt d'habituer quand même pas loin d'une bouche de métro. Hein. Aiguillage à droite. Là on arrive au Dôme qui est un des endroits les plus appréciés des gens. Très bonne zone de loot. Beaucoup de carburant notamment. T'as des zones où il y a plus de carburant qu'ailleurs. Tout à fait. Le Dôme c'est à la base c'est un gros truc de stockage donc t'as du carburant, t'as une raffinerie dedans. Et t'as du parcours. En fait, t'as pas mal de lieux sur la carte où tu vas justement avoir un petit peu des puzzles, des puzzle jumps comme on dit. Ouais. Pour accéder au meilleur loot et t'as... C'est assez difficile, donc tu tombes, tu meurs globalement. Globalement. Le dôme, c'est un des jumps les plus difficiles. Il y a plus dur, mais c'est un des plus durs. Tu veux que je m'arrête à site de lancement, on est d'accord ? Tout à fait. Ah oui. Tu vois ce que je veux leur montrer. Ils ont pas l'équipement pour le ah ouais non clairement pas non. Ah on va se faire le cul. C'est là où je suis tombé sur un truc surprenant hier, je savais même pas qu'il y avait ça. Ah le tank. Oui. C'est ça que tu disais. Oui. Nickel. Et il faut mettre votre tenue anti-radiation. Oui. Style rapidement. Ça dépend en fait si t'es près de la fusée oui mais pour le reste de la ville du site de lancement c'est ok, t'as pas besoin de truc anti-radiation. Ouais mais là ils sont en dessous donc ils ont l'effet. Ah oui, ok. Et bouffer des pilules anti-radiation. Ouais, j'en ai pas. Si vous en avez dans... Je vais vous donner 10 normalement. Ah oui mais pardon. Oh, on a pas de vitamines. Oh bah oui elle descend par contre Bah tu te piques. Bah oui. En prévision du fait que vous allez au site de lancement, je pense que je vais... Je vais baisser le son de Alex et Draco. J'ai un capteur de rythme cardiaque. Donc là, tu veux bien que j'aille tout droit et pas à gauche. Hein. Mon compensateur, il est pété. Ouais, on est d'accord. À la prochaine sortie. Donc tout droit. Non, supermarché abandonné. Ouais, supermarché abandonné, ouais, c'est ça. Tu vas soit à gauche, soit tu vas tout droit, et puis après à gauche, tu reviens, quoi, c'est pas... Mais là non, tu peux pas tourner à gauche. Je suis plus sur le train. Au revoir Alan, goodbye my lover. J'ai tombé. Bye my friend. Il est dans le train. Je suis mort. Ouais mais... Je voyais bien que j'ai pas de rétro, bordel. Ah Alan. Ah ouais, je m'en recule dessus. J'ai pas de... J'en ai il pas. Il est devant Alex, il est devant. J'ai vu, mais moi faut que je prenne un aiguillage. Vous voyez bien que j'en ai pas, des rétros. Va à la prochaine sortie, Alex. Tu me dis quand t'as respawn, Alan. Ah, c'est... Là,
mais vite tête de newsmat. C'est là que le. Oui, c'est là que le. Y'a pas moyen de récupérer cette vite là. Tu appuies, clique droit sur tout et ça te transfère au fur et à mesure. Je l'ai pas là. À droite 2. Ouais, j'ai vu. J'ai plus mes trucs à faire de la chambre, c'est bon, parce qu'on a pas besoin. Donde? Non, c'est bon, normalement ils sont. Là, il y en a un devant. Deux devant. Ouais, t'en bouge pas. Et par contre, le compensateur il s'est pété vite, hein. Oui. C'est quoi le compensateur? Bah, je sais pas, moi il est pété dans mon truc. Augmente la cadence de tir de l'arme en canalisant les gaz de retour dans l'arme au détriment de la vitesse de la précision. Et tu penses pas que la map est quand même un peu grande par rapport au nombre de joueurs qu'on va être? Walou? C'est grand, mais. Ça va. Moi je préfère que ça soit grand et que tout le monde trouve un endroit où s'installer. Plutôt que. Ah, y'a masse loot par que contre. Que les gens qui se croisent toutes les 10 secondes. Ouais. Étant donné qu'il n'y a pas de PVP et qu'il y a du PVE, c'est surtout que je voulais beaucoup de sites nommés en fait. Ah, maintenant faut monter. Trouver la sortie et remonter. Ok. Là. Il y a écrit exit en plus, c'est bon. Oh, faut que je me soigne, moi. Je pense qu'on peut peut-être remettre la. L'armure ? Ouais, je pense. On va attendre d'être là-haut, mais non. Je pense. Non ? Non, 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 non. C'est une zone avec énormément de radiation. Il y a même dans certaines zones où le hazmat ne suffit pas. On va le finir cette histoire. Le jour où il se lève, Nero. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais pas s'il se levait ou s'il se couchait. Oui, non, il se lève. Je croyais que c'était pour. Ça m'arrange. J'adore me faire poutrer le cul deux jours. Non. Quel con, putain! On parle de la tenue hazmat améliorée. Oh, je suis mort. Et pourtant, il avait un fusil, il avait plein de trucs. Hein. Non, c'est bon. Putain, quel enfer. Disons que je suis allé à la base de recherche arctique et niveau PNJ, c'est pas mal, ouais. Oui. Ça, c'est de base. Hein. Donc, c'est pas moi qui ai changé. Ouais. Première fois que j'y vais, ouais. Sam aussi, il a fait la même erreur hier soir. Mais jamais on arrive là-haut, hein. Ah ouais, ça fait des calls radio. Ça s'arrête jamais, ouais. J'ai l'impression que c'est interminable. Il y a un jeu comme ça, hein, où tu montes l'escalier sans jamais en finir. Hein. Je vais peut-être faire une sieste à un moment donné. Hein. S'il faut faire ça tout le temps, je vois à peu près le timing. Même les yeux fermés, je peux le faire. Ah, je suis dehors. Ah ok d'accord, c'est combat TP. Oh très bien. J'étais en mode, c'est bizarre, l'arrivée d'or est chelou. Alors attendez avant de partir. Ok. Un qui prend ça. Oh j'ai pris. Tu leur donnes quoi là? Un lance-roquette. Ah putain, ok. Et, allez, le troisième, allez vous le troisième amuser. Qui attends, ça. J'ai plus de place, attends. J'ai bazardé ça. Et des roquettes là. Et la roquette, hop, nickel. Voilà. Tac. C'est là que le. Oui, c'est là que le. Est-ce qu'on remet une armure? Non, il n'y a pas. Là. Oh.
Là, il y a des radiations. Ok. Voilà. Je ne sais pas où il est. Là, la base arctique, ça va être sympa. Oui, ça va être très cool. Il y a beaucoup de froid, donc faut être bien mis, mais les PNJ font très mal. Ouais, mais moi ça va, je me suis équipé. Il y a des loups là-bas dans le périmètre, sur votre droite. Ah, il est là. Pour un petit avantage. Hein, oh putain, c'est quoi ça? Oh putain! Oh, ça a l'air vénère ça! Oh putain! Ça tire. Quoi, je veux voir. Oh, oh, c'est un tank! Y'a un tank! Y'a un tank! Oh, je l'entends! Oh putain de merde! Oh, ah, oh putain! Moi, j'ai pas bien visé! Oui, c'est moi ça! Oui, y'a beaucoup de drops sur les. Waouh, waouh, waouh! Wow. Mon cul, mon cul! Ça fait toujours un bel effet de cette première rencontre. Oui. Oh, ah oui, non, ah oui, faut viser, c'est compliqué. Ah, on a plus de. Oh, je suis à côté là! Qu'est-ce que tu fais? C'est compliqué de viser! Y'a oh, un gros. Oh putain! Y'a un gros. Aïe aïe aïe, ma vie! Oh la vache, je vais crever! Bah, vous mettez pas devant non plus, faites le tour. Allez, vous êtes aussi un. Oh le bat. Non, non, on va essayer de fumer tranquille, on fait le tour. Avec le truc, c'est compliqué, hein. On va faire le tour. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de drops. Oh, c'est loin pour faire le tour. Wouah! Ouais, faire le tour, ça va être long, oui. Ah, mais y'a pas de trou en fait pour rentrer. Non, mais c'est surtout qu'il est sorti le tank. Ah! Oh, j'ai touché. Bim. Oh putain. Oh, ce qu'il a pris. Oh bah alors là. Oui bah alors, y'a pas que le tank qu'a pris. Il est arrivé sur moi, j'ai pris une grosse salve dans mon cul. Il c'est une boule là, non? Oh, le char Bradley, il bat déglinguer, hein. J'attends quoi, ouais, il me revive. Oh putain! Je peux pas 13, faut que tu réapparaisses, je TP. Quoi? Honteux. Oui. C'est bon. Oh putain, il est juste là. Il est où, mon corps? Il est juste là. Ah ben, il est juste là, là. Ah putain, il y a de la radiation, ah, je suis mort. Ta. Je vois, mais j'ai plus de vie, là, il faut que je... Tiens, Alex. Il recule, putain. Je suis au plus proche de l'actualité, là. Mais j'ai plus de... Pourquoi j'arrive pas à recharger mon... Faut qu'il maintienne R quand t'as... Faut que j'aille à mon corps pour récupérer le... Ah, c'est bon. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut le carry tailleur, s'il vous plaît? Oh, il m'a one-shot. Il a pété. Ah bah nickel. Il est mort. Enculé. Je savais que tu crèverais, salaud. Et lui, il donne quoi à loot? C'est la zone qui ah, est où? Ah, je suis en feu, putain! Bon, elle est partie dans le feu. Mais y'a une caisse là, ça saoule ça, non? Ouais, moi je suis à la base là. Mais y'a pas de feu où je mets le pied? Il est où mon corps? Là. La tenue. Attends, le feu va partir, ok. Moi, parce que je t'ai pas dans le feu, il me dit que je crame. Avez-vous déjà vu si tu un sanglier? Qui ne prend pas de roquettes, oui, tout à fait, j'en ai plus souvent. Ouais. Mais putain, c'est chiant à viser le roquette, hein? Oui. Il est où mon roquette d'ailleurs? Il est juste il derrière là, hop. Oula.
Draco, ça marche pas le rocket jump ici. Ouais, mais je l'ai eu. Et donc c'est quoi? Attends, c'est lui qui donne ça, des caisses de fou ou Ça c'est un des events qui te donne des équipements de haute qualité. Ok, mais ils sont où, celui-là et les deux et les... Bah, les caisses qui sont en feu là, mais quand je me rapproche, il me dit que je suis en feu. Oui, Alan, qui brûle. Ouais, je brûle, j'aime bien brûler. Hein. Il y a un temps avant que ce soit lootable. Oh. J'y vais à l'ancienne. Ah bah oui, c'est bon, regarde ça, je vais pouvoir le péter ça. Attention, on s'écarte. Ça m'a rien donné, j'ai flingué une caisse. Non, c'était une partie du tank que t'as explosé. Ah, elle va encore essayer de me buter, je le savais. Ah, ok, t'as un truc qui te donne de la vie, mais sur le long terme là. Je m'étais pas les encore grosses trousses, non? Ouais, les grosses trousses sur le long terme. Les petites trousses plus rapides. Mais ça s'éteint jamais ce truc là. J'avoue que c'est long quand même. Attention! Ah non, j'ai cru qu'il nous avait ramené l'hélico en AA25 l'hélico. Oui, je l'ai fait spawn. Et après, je vais vous TP. Et moi ça me motive comme ça, on aura vu plein de trucs du jeu, après t'as envie d'aller chercher quoi. Surtout ces parties là qui sont vraiment trop cool quoi. Ah, le endgame de Rust est très sympathique à faire. Ouais. Mais là vous allez avoir un petit... Une petite information dans les quêtes, dans les caisses. Une petite information dans les caisses, d'accord. Un truc qui est faisable. Je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai jamais vu à l'avant. Oh! Oh non, oh vraiment! Oh, j'ai trouvé un lance-flamme. Oh, oh la vie! Oh! Ah ouais! Ah, contre des véhicules, tu mets de l'explosif! Ah, il s'est pété! Ouais, mets de l'explosif. Tu si, brûles, vous voulez, si vous voulez, vous pouvez aller vous balader dans le bâtiment qui est le gros bâtiment derrière. Si. Y'a du monde? Oui, y'a du monde. Ah, let's go! Y'a des radiations et vous avez besoin de lumière. Donc pour sur vos N249, vous pouvez appuyer sur F. J'ai mis une flashlight intégrée dessus. Ah, nickel. Bonjour! Quelqu'un? On va entendre pas en 10 secondes. Oh putain! Nickel. J'ai oublié de charger. Pourquoi j'ai de l'irradiation quand même? Parce que c'est un endroit avec des irradiations très très fortes. Il est au fond, sac à merde. La suite de base me suffit. Couché! Ça. Ils sont en hauteur les sacs à merde. Non, c'est toi. Il y en avait au-dessus. Ouais, il est mort, c'est quoi? Au-dessus encore. Il y en a un autre, il y en a un autre. Ce qui est bien, c'est que les IA ont l'air intelligentes sur les pinches qui tirent. Il est tombé. Il y en a un autre en dessous, premier étage. Non, ça va. En vrai, ouais, elles sont pas mal intelligentes, les IA, je trouve. Ouais, franchement, Faites attention à votre vie. Oui, radiation surtout. Pff,
Oh, j'ai failli sauter. Et la fusée, on peut la faire décoller? Je suis sûr que oui. Je sais pas du tout. Non, je ne pense pas. Ouais, dedans tu trouves du métal de haute qualité, tout ce truc comme ça. Là, c'est des... on est sur du contenu endgame. Bon allez, vas-y, balance-nous sur le... l'hélico là, on est chaud. Non, on peut peut-être loot le tank là, non? Oui. En attendant, je vais chercher l'hélico. C'est là que le... Oui, c'est là que le... Bah voilà. Alors, oh putain. Qu'est-ce roquette incendiaire, roquette haute vélocité. Ah oui, d'accord, porte blindée. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Porte double, porte blindée, roquette, roquette. Oh la vache, toutes les balles. Circuit imprimé. Trappe à échelle. Ah oui, d'accord. Rien que ça, quoi. J'embarque les roquettes. Vas-y, vas-y. Ça servira. Pour l'hélico. Pour l'hélico, nique sa mère à lui. Voilà, c'est des roquettes quoi? Haute vélocité. Casse le char, il y a une caisse. Ah, il faut lui péter la gueule. Alors ça c'est moi qui ai en feu déjà, mais la caisse elle est où? Bah non, il n'y avait pas d'autre caisse. Ah c'est... non, attends. Bah non. C'est bon, je suis prêt, j'ai chargé les roquettes incendiaires pour l'hélico, je vais lui niquer sa race à lui, direct. Là je fais le malin, on en reparle dans deux secondes. Je vais me retrouver nez à nez avec un hélico, ça va pas bien se passer. Sur le toit de ce bâtiment, il y a des caisses élites qui peuvent donner des AK, des C4, des... Ouais... Bon après faut grimper, hein. T'es dans une zone où... avant d'arriver là... Parce que t'as déjà le tank à niquer, hein. Tu n'es pas obligé de niquer tant que tu peux passer à côté, hein. Un peu en mode... Bon, on est prêt. Alors... Il était en A, AC4, en A, je sais pas. Non, j'ai un truc plus rapide. Il va nous le mettre ici, là. Ok, je me planque. Oh putain de coup. Bah voilà, salut. Allez, bisous. Draco. Oh, ce que j'ai pris. Dis-moi quand t'as respawn. C'est bon. Ah, c'est beaucoup plus calme où je suis d'un coup. Oui, mais cours quand même. Où est mon corps? Je suis là, stop. Oh là là. Il est rapide le bougre. Hein. Le deuxième il est sur moi en fait, à la base arctique. Mais il y en a deux, il y en a deux. Et vous êtes... Non, il y en a trois. Il y en a trois. Ah oui, il y en a trois, ouais. Donc, ok, moi j'en ai un solo quoi. Je suis un buisson, je suis un putain de buisson. Il y en a un, il est pas bien quand même. Hein. Oh putain. Y'en a un qui tombe, allez, tombe, enculé. Oh, je suis mort. Ah putain, mais alors quand y'en a trois, j'en ai abattu un, mais les deux autres... Le tireur, il met des trucs. Ah, il met des sucrètes, hein. Et donc, c'est un hélico comme ça qu'on pourra piloter? Tu peux me TP, ouais. Yes.
Je sais pas encore. Je kifferais que ça soit un pilote, un tireur. Aïe, y'a rien qu'à recharger, oui. Je sais pas où je suis. Cours. Il était où mon stuff? Je suis mort où moi? Juste à côté. De l'autre côté de la voiture. Yes. Il est où mon... Juste à côté de la voiture là, où je suis, de l'autre côté de la voiture Alex. Et dire qu'il y avait un hélico comme ça près du port au début, oui. Sac à merde. Oh par contre mon arme elle va être morte, oh non. Alan, il est où ton cadavre? Ça là. Sert à rien, c'est que du stuff, on en a pas besoin pas loin du stuff. D'où on a tombé ouais, le c'est bon, vrai. Vas-y tourne mon gars, tourne. TB. Ouais. T'es juste devant. Ouais, allez, je commence à tirer. Ouh. Ah, j'ai perdu ma mitraillette. Et merde. Elle tombe au sol quand tu l'as dans la main, Alex. Ouais. Pas de ton corps. Voilà, mort. Oh putain de con. Ça rigole pas des masses ce truc là hein. Alors l'hypo, je sais pas si vous avez vu une de ses mécaniques, c'est qu'il tire des roquettes. Ouais. Oui j'ai vu oui. Donc l'emplacement de vous faites vos bases, faites extrêmement attention parce que si vous avez une arme dans votre bar ou sur vous, que l'hélico passe au-dessus de vous, il vous détecte comme quelqu'un de hostile et tire les roquettes sur votre base. Voilà. Mais l'hélico en vrai est faisable assez facilement comparé au tank. Oui quand même hein. Il fait très mal, mais en fait il a deux points faibles que le tank n'a pas. Le tank n'a pas de points faibles et le seul moyen de tuer le tank c'est avec des roquettes ou des C4. L'hélico tu peux lui mettre des bastos hein. L'hélico tu peux lui mettre des bastos. Il a deux points faibles, c'est l'hélice et les rotors. À partir du moment où il tapait dedans, moi j'ai vidé un chargeur dans l'hélice là, il est tombé l'hélico. Hein. Ah, juste par contre il met des grosses bastos quoi. Oui, et bah c'est 2M249 qui tire. Et du coup, vous pouvez aller voir les loot. Pareil, il y a le même système de feu qui protège les caisses. Mais après, vous pouvez... Ça permet que ça foute bien le bordel dans la zone et qu'il y ait bien 20 personnes qui soient arrivées avant que... Le jeu est pensé PVP. Donc c'est pensé pour ouais, empêcher de... Voilà. Que quelqu'un puisse venir contester pour le temps de le récupérer ou autre, quoi. Exactement. Comme un des events que j'ai supprimé, c'est un hélico qui pose une caisse où en fait t'as 15 minutes de timer dessus pour ouvrir la caisse. Et justement tout ça c'est tout fait pour penser PVP. Ah là c'est des caisses d'armes basées que vous avez eues. Ouais mais lui il est faisable. L'hélico je pense qu'à partir du moment où t'as un peu des balles, c'est faisable. Oui. Il est chiant. C'est du mid-game, mais ça reste une énorme menace à cause de sa rapidité et de ses roquettes. Si t'as une petite AR, un petit truc comme ça, et donc tu peux réparer les armes après ou pas? Oui, tout à fait, dans la table de réparation, comme tout outil. Ouais, après, j'ai l'impression que tu te fais depuis ta base, donc t'as moyen de te cover, l'hélico. Après, il te détruit ta base, à coup de roquette. Hein. Oui. Il t'éclate la base. Wow. L'hélico, il a un pattern, c'est qu'il fait les grosses villes. Il fait de grosses villes à grosses villes en allant tout droit. Donc, il faut choisir un emplacement de base. C'est extrêmement important. Par exemple, pas se mettre à 40 cm d'une grosse ville, parce que tu sais que l'hélico va passer par là. Ok. Voilà, donc dans l'idéal, c'est se foutre un peu dans la pampa et faire des bases entre les villes, mais pas trop près, quoi. Par exemple, là sur la map actuellement, un point qui est intéressant, c'est tout le point central de la map. C'est-à-dire, par exemple, V24, V23, ça reste un point où, à gauche, les tunnels, le truc de train, le dôme, la base de recherche, le traitement des eaux, le camp de bandits. Ou alors, si tu veux être un peu plus sécurité, tu te mets en W33. Plus au sud, où là t'as l'océan qui est à côté, t'as de la rivière, et comme c'est en biome neige, les joueurs ont plus de difficultés à venir t'attaquer. Par contre, il faut des équipements de froid, anti-froid pour plus survivre. Ouais, il y a un souci. Pareil, tu pourrais pas trop dégueulasse, style N26. Plutôt M26. Parce que N26, c'est une néobanque.
mais oui, ça va aussi. Tu vois, des endroits comme ça, alors on est peut-être un peu trop, ce serait plus facile de faire un K25, mais... T'es pas... Oui, en fait, t'es pas loin de trucs, mais en même temps, t'es suffisamment tranquille pour pas être dans la ligne d'une ville. Exactement. Le point le plus important, c'est l'endroit où tu choisis ta base. C'est vraiment... ça, c'est vital. Et comment tout ce qui est petite île, là, tu sais, il y a plein d'îles qui ont de la flotte... Alors, les îles, c'est bien pour faire des grosses bases. Les îles ou les presqu'îles, ouais. Tu fais une grosse base pour beaucoup de tu peux mettre beaucoup de stockage pour du farm, mais le problème, c'est que t'es loin, quoi. Des roquettes... Oh, il y a une arme dedans, une M249. Des balles aussi. Ah, tu vois, tu flingues un hélico, tu tombes... Oh, viseur laser, lunettes de zoom x8. Roquette incendiaire. Mode rafale. Magasin étendu. Ah oui, d'accord. Il y a une M249, des roquettes, enfin quand je te dis que... Et masse balle. Hein. Tiens, d'ailleurs, bah, regarde la caisse en haut, tu vas être content. Hein. Oh, regarde la roquette que t'as récupérée, Alex. T'en as récupéré une qui est très spéciale. La MLRS. C'est ça? Oui. Et c'est quoi ça? Autopropulsé à courte ou moyenne portée, c'est ça? Non guidé. Non, c'est pas ça. Non, c'est la, pas haute une la haute vélocité alors. Ce n'est pas une roquette que tu mets dans ce lance-roquette. Ah, c'est une roquette défensive. Une roquette destinée à être utilisée dans un MLRS, système de roquette à lancement multiple. Donc ça, tu le mets chez toi. Ou en attaque, peut-être. Tu vois. Je sais pas non plus. C'est un camion lance-roquette, un MLRS. Je ne sais pas non plus. Là, tu sais en fait, et tu veux pas dire, mais. Tout à fait. Et comment tu... une arme... Ah, c'est ok, tu cliques dessus pour mettre ce que tu veux. Donc par exemple, là, je peux mettre un chargeur haut de vélo. Ou une lunette. Ah, okay. Le camp de bandits est une zone sécurisée? Oui, c'est... Ouais, ok. C'est les endroits de vente. Ouais, ouais, mais je... J'étais persuadé que... J'entends un hélico, non? C'est une zone PVP. Oui. Ah, PVP. J'arrive. Je me lance un coin, j'arrive. Je crois qu'il y a un hélico qui arrive. Un hélico qui arrive sur votre accro là. Oh là 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 là, mais ça veut dire que. Oh non, y'a pas le PNJ. Oh, dommage. Ah non, les PNJ. Il est où l'hélico? Il est plein sud là. Il est parti très loin. Ouais, c'est, là, il est en été... H26 pardon. Actuellement. Ça aurait été cool parce que s'il y avait eu les PNJ, j'aurais pu acheter tu sais quoi et faire un petit tour avec pour le montrer. En H26. Oui, je le vois pas moi l'hélico. Hein. Tu faut bien zoomer là, il est en F30. Il est au niveau de la carrière de Pierre. En bas à gauche, tout en bas à gauche de la map. Même ah si je le vois en zoomant ouais. Il va vite hein, putain ça va hyper vite. Et là il part, il quitte la map. Mais si, il y a un PNJ là. Non, non, style. Oui, mais tu peux rien faire avec. Ouais, dommage. Oh, tu me jettes des trucs qui explosent. C'est du C4. Et tu les équipes comme ça, ok. C'est pas mal, t'as des trucs que tu peux mettre dessus là. Des chargeurs, des... Est-ce que tu peux me filer une AK ou un truc comme ça, qu'on voit à quoi ça ressemble? Oui, tout à fait. J'en ai plein sur moi. Alors... ça va être compliqué à trouver. Non, une AR à la con. Elle aura un skin, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est un jeu où tu peux foutre des skins. Merci bien. Oh, je vais préférer tellement. Alan, faut que tu testes ça. Je vais lui foutre une lunette. Oh, moi j'ai un snipe là, je veux dire... C'est quoi que j'ai mis? Je sais pas ce que c'est ça. C'est un viseur laser, ok.
Tiens, teste ça. Et il y a plein d'autres armes. Je l'ai mis un. Oh ouais, j'imagine. Et ça, la K, ça se crafte pas, si ? Si, la K, ça se crafte. Ok. Ça, c'est le genre de truc qui va me plaire. T'as une zone où le camion spawn, tu fous les roquettes dedans et tu lui demandes de tirer où tu veux. Bon, alors là. Moi, je préfère ça à celle-là. La M249 est extrêmement puissante, mais elle a un recul aussi qui est phénoménal, forcément. C'est stylé, ouais. Hein. Avec le petit viseur, là. Ouais. Et là, les armes ont l'air d'être hyper précises, je sais ça. Même à longue distance, ça part tout droit. Le système de tir est à la CS. Ouais, c'est ça. Bah, le jeu est basé sur du Garry's Mod. Et le Bolt, même le L96, celui que t'as, même si c'est le plus gros sniper du jeu, c'est pas. En tout cas, moi, c'est pas mon préféré. Oh, il m'a jamais rendu, il m'a carotte mon AK. Mais moi je préfère l'AK, le fusil d'assaut, je préfère un fusil d'assaut à la M249. T'es un peu plus précis, en fait t'es plus précis si tu fais ça. C'est une arme de défense ou d'attaque hélicoptère. Tiens, Alan, cadeau là. Ah, c'est ça que tu me dis? Ça, c'est ton sniper préféré, c'est ça? Moi, c'est celui que je préfère. Tiens, Alex, tu veux tester? Toujours pour. Ça a l'air pas mal en vrai. Il est très intuitif. Ah putain, tu lui mets une... Alors sur les armes, je sais pas si vous avez remarqué, il y a trois petites cases. Ou sur la fière par exemple, il y en a quatre. Ouais. C'est à chaque fois que vous craftez ou droppez l'arme, vous avez un pourcentage de chance d'avoir des attachements dessus. Je crois que le minimum c'est 2. Et le maximum c'est 4. Donc les attachements. Donc ça, c'est ce que tu peux mettre, les silencieux, les viseurs laser. Ah oui, d'accord. Les pointeurs laser, les flashlights, les. T'as des trucs qui permettent d'augmenter la taille du chargeur, etc. etc. En vrai, c'est pas mal. Hein. Je crois que j'ai dû mettre un chargeur étendu quelque part. Ah bah, il est là. Je suis en chargeur étendu, j'ai 38 balles au lieu de 30. C'est pas mal. Bah c'est très pratique, ils sont du fight. On va pas retenir sa respiration quand on tire. Non. Par contre t'as du quickscope. Quoi? Non, je peux pas quickscope. Il veut pas. Non, quickscope c'est pas quand tu sautes, Alex. C'est quand tu fais juste un clic droit et un clic gauche. Oui, mais c'est pas ça que je veux, moi. Le quickscope c'est le. Je peux pas tirer pendant un saut. Non. Ah, l'enculade. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre? Tu peux quickscope, mais je peux pas tirer en sautant. Tu peux pas faire un petit noscope, tu sais, hein? Un 360. Je peux pas 360 noscope. C'est pas Fortnite, hein. Ah, le quickscope. Ça bouge pas. On a l'impression de voir CS. Ah, c'est ça, hein. Le jeu à la base est basé sur Garry's Mod. Donc, Garry's Mod est lui-même basé sur l'engine de CS. Tiens, Liu, tiens, regarde, teste ça, Draco. Mais qui? Oh! Et bah, je préfère ça à la M249.
Le skin, c'est un skin d'un DLC, hein, donc c'est pas le skin que vous aurez quand vous le crafterez. Ah oui, c'est mieux que là, oui, clairement. Et ça, oui. C'est le sniper qui est plus accessible, et quoi, Wanda. Je ne jouerai pas la L96, je jouerai ce sniper là, moi, perso. Ah, j'avoue. J'avoue. Tiens, aussi. J'avoue qu'il est mieux aussi. Et ça, c'est des trucs qu'on peut. Enfin, on craft plus facilement que les autres. Enfin, plus facilement, je me comprends, quoi, mais. Ils sont plus accessibles, oui. La K, ça reste de l'armoire T3. Hein. Le Bolt, je crois que c'est du T3 aussi. Okay. Bon, après, faut avancer à un moment donné, sinon. Exactement. Ok. Bah, moi, je pense que je vais finir mon live plus tôt, parce qu'en fait, là, on va pas avoir grand chose à faire avant de faire le RAS demain, maintenant, à part savoir sur quoi je veux partir demain. Bah vu qu'il y a le reset ce soir, ouais. Ce que je vous conseille, c'est quand même de vous entraîner un peu sur la construction de base anti-raid. Ah, avec les clôtures et tout ? À vous de voir. Non, 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 ça, je découvrirai, moi. Après ils ont le temps, enfin il y a le temps vu que... Pardon, moi je pense que je vais interdire les raids, il va y avoir du PVP. Donc, si on se pose sur les règles. Putain, j'ai plus que deux écrans, c'est l'enfer. Donc, PVP, ça serait le... PVP, ça serait... du mercredi midi au jeudi midi. C'est pas mal, non ? Oui. Et... en week-end. Faut que tu l'actives à la main à chaque fois ou c'est faisable auto ? Non, c'est... Alors, je peux remettre le plugin de zone, c'est-à-dire que je peux créer des zones de PVP assez facilement. Pour activer et désactiver le PVP complet sur le serveur, j'ai juste à supprimer un plugin. Ma question, c'est est-ce qu'on met du PVP à certaines zones ou est-ce qu'on met du PVP au timer ? Enfin, au timer, à la journée. Oui, un système à la... Ouais, est-ce qu'on dit tout le centre de la map, c'est PVP. Ça serait bien que ce soit ça, en vrai, parce que Rust, l'âme du jeu, c'est PVP, vraiment. Et s'il n'y a pas ça, enfin, si c'est que... Donc on pourrait faire un énorme cercle au milieu de la map et dire ça, c'est PVP. Plus tu es vers les extérieurs, c'est PVE. Dès que tu vas vers le centre, c'est PVP. Tu peux, ouais, ça serait pas mal, ça... je pense. Ça peut se faire, après je pense que ça va faire partir sur le même principe que des aides, c'est-à-dire que ça va faire des bases autour, et puis après ça va rentrer. Donc l'idée de... Moi j'aimais, event, c'est pour ça que j'aimais bien dire tout bascule en PVP et pas de raid de base pendant 15 jours. Ah non mais moi je fais une base dans la zone PVP direct. Moi en tout cas, moi je fais une base dans la zone PVP aussi. Moi en tout cas, pour moi ce qu'il faut faire c'est des zones PVP, pas une seule mais des zones, c'est par exemple dans les zones nommées. C'est-à-dire, et dans ce cas-là, je diminuerai largement, ou voire je supprimerai le spawn de PNJ dans ces dites zones. Par exemple, sur l'airfield, je mets une zone PVP, c'est-à-dire que tous les joueurs qui rentrent dans la zone PVP peuvent se faire des dégâts, mais il n'y aura pas de PNJ. Et je mettrai, sur le mois complet, je mettrai deux events avec raid. Ah, ça peut être intéressant de c'est faire comme ça. C'est la grosse question de savoir est-ce que donc toutes les villes, ça serait. Pas toutes. J'en mettrai quelques-unes. Par exemple. On le verrait sur la carte ? Non. Ah, c'est ça qui m'emmerde. Bah, moi, ça me fait pas. En fait, où les joueurs ils ont l'indication sur la carte, c'est en rouge, attention, c'est PVP. Ou. Mais voilà. Sur la carte, il n'y a pas moyen. Je ne peux rien faire sur la bah carte. Moi, je laisserai le jeu tel quel et je dirais à 24 heures dans la semaine et 24 heures le week-end, le serveur devient PVP, pas de raise sur les bases. Yes. On peut faire ça. Non ? Braco, Mono ? Mono, il n'est pas là. Alan ? Oui ? Qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez que toutes les villes soient PVP ou une durée précise ? Je préfère une durée précise, moi, pour le coup. Ouais, moi aussi. Ouais. Et bon, on fait ça. Style... Le mercredi, c'est PVP. La journée du mercredi, elle est PVP. Le samedi ou le dimanche, c'est PVP. Comme ça, ça laisse aussi les gens découvrir les villes sans se faire tirer dessus. Et pendant 14 jours. Ils seront tirés dessus en PVE, mais pas en PVP. Et pas de raid pendant 14 jours. Enfin, pas de raid sur les bases, sauf event. Tout à fait. Bon, c'est pas mal. Ça, moi, je prends compte parce que. Même pendant les raids, je vais mettre des règles. Hein. C'est-à-dire que si on fait un raid, pas de wipe complet. C'est-à-dire qu'interdiction de détruire complètement la base.
ça se fait sur Rust, hein. C'est, ça balance tout la fondation, ça pète tout le bâtiment comme ça, il y a tout qui tombe et puis c'est plus facile à loot. Ça se fait, ça je vais absolument l'interdire. Et de quand même être sympa, c'est-à-dire quand tu rentres dans la base, tu vas pas spawn kill le mec, attendre le mec qui respawn devant son lit et le spawn kill en boucle. C'est, ça aussi c'est... Ouais, un minimum de fair play quoi. Et aussi de laisser quand même un minimum de ressources pour pouvoir permettre de se relancer. Donc après ça, samedi ça ou sera, dimanche le PVP vous préférez? Samedi, personnellement. Okay. Après Wawa, est-ce qu'on pourrait pas mettre en place un truc, je balance l'idée hein, mais genre de loot peut-être que les armes? Non, parce que les armes c'est non. Pas le... Tu, plus tard vous verrez que les armes c'est pas ce qu'il y a le plus de valeur. Donc, je t'envoie ça Wawa, comme ça tu pourras et le... Ouais. Destruction de lit pour empêcher le respawn sur la base ou pas? Ça oui, ça se fait ça, un lit c'est vide. Ouais non mais si tu n'incites dans les règles, tu l'acceptes ou pas quoi? Non, ça je l'accepterai. Ça le lit, oh c'est pas un problème. J'ai trouvé un minibus 8 places. Trop bien. Attendez, je vous lis en direct, c'est l'avis du RP. Un message. On est sorti. Il y a un mec qui m'a braqué, je l'ai braqué, il m'a braqué. Jade est arrivé, il lui a mis une tarte dans la gueule, Jade l'a couché. Nous sommes repartis avec Carlos pour discuter à l'arrière d'une villa. Il nous a dit qu'il ne cesserait de nous traquer. Une décision a été prise de le saigner sur 20 cm. Ah bah d'accord, ok, donc ils ont tenté un petit move, le cercle en mode... On a des couilles, et en fait, les gars ils ont séché le cercle et ils les ont même torturés. D'accord. C'est la mano, ça. Mais c'est surtout que les mecs, en fait, en face, il fallait qu'ils viennent taper fort d'un coup. Voilà. J'ai répondu. Alan, est-ce que tu veux dire aux autres que Miguel... Il manque un petit H. Est-ce que Miguel, il y a un H où? À la fin? À la fin, il y a un H. Ouais. Tu peux dire aux autres ce que tu peux lire ce que je viens de répondre dans le canal RP. Miguel a répondu. Ouais, la réponse est compliquée, c'est chè. Chè. Je t'ai mis les infos. Hein, voilà. Yes. Comme ça, on pourra l'annoncer. Ok. Impec. Eh bien, voilà. Il est 15h. On a un peu d'avance, mais moi, je pense que je vais m'arrêter là, de ce fait-là, parce que... Eh bien, parce que la suite, je vais la découvrir demain. C'est alors, ne m'en voulez pas pour ce que je vais faire. Il va faire quoi? Il va nous tuer. Ah, ça, non, bah, non, mais non, mais non. Il a mais peur non. qu'on garde les armes et non, qu'on fume tout non. le monde. Je me rends Je lève les mains. Je suis décédé. Mesdames et messieurs, nous, on se retrouve ce soir, les copains. Merci à vous. C'est cool. Voilà. Eh bien écoutez, merci, des bisous à ce soir, il me manque toujours un écran et ça me casse les couilles, mais c'est une autre histoire. Mesdames et messieurs, bonne fin d'après-midi, les copains aussi, on se retrouve tout à l'heure en RP, on ira à la chasse. Mais la chasse, je pense qu'on va, aller traquer le petit Rouget. Bisous, bon après-midi, bisous à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous on se retrouve quand? Bah tout à l'heure, 20h30 avec Mimi et le reste. À tout à l'heure, salut.